FM. Tous les matins, 7h-9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon. En disant, excusez-moi, c'est moi. Que de faire. Parce que le deux à moi. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. La guinée mukana mane,
mbo ma dimme de kuru tare no wena nara imamu wule pale no we mirira male ira findi sedera ala nu nyamata gi dalila wule pale no wena nara journalisti wule pale no we bolombombe bi wale no wena nara mariye yenge sunu we Voilà, chers auditeurs, bonsoir à vous. Je vous dis bonsoir et bienvenue, bienvenue dans ce grand débat, dans cette émission, le grand débat de tous les samedis. C'est un plaisir encore pour moi, hein, comme d'habitude, de vous retrouver tous sur cette plateforme de la diaspora guinéenne, la basse côte internationale depuis le studio central. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs qui nous suivent sur... Facebook Live Paris. Bonsoir à vous, bienvenue, merci de la confiance renouvelée à la grande radio La Basse Côte. Nos auditeurs qui nous suivent du côté de la Chine, de Tokyo, de l'Asie tout entière, bonsoir à vous du côté de Dakar. Et bonsoir, nous sommes très bien suivis du côté de Dakar. Et bonjour ou bonsoir à tous nos fidèles auditeurs de Dakar et de Conakry, et sans oublier de l'Europe. Merci d'être venus dans cette émission politique, le grand débat à la radio de tous les Guinéens. Ce soir, comme vous le savez, les problèmes ne finissent pas chez nous en Guinée. Et tous les jours en Guinée, c'est les nouveautés, quoi. Voilà. Donc, nous allons rester dans le cadre de la situation politique de notre pays. Nous allons parler aujourd'hui des élections de Matoto. Je suis en train de préparer les audios pour vous, pour nous vous permettre de bien donner vos points de vue par rapport à la reprise de ces élections de Matoto, puisque nous, on avait déjà donné nos positions, mais comme c'est la radio de la contradiction, c'est comme ça, ça se passe. Les opinions des autres aussi sont respectées, puisque nous étions pour, d'autres étaient contre. C'est comme ça que la démocratie marche, mais aujourd'hui, nous avons vu que avec la reprise des élections, M. Mohamed Batos Camara a été réélu, élu comme maire de Matoto. Mais nous, on s'était dit la semaine dernière ici de demander à l'UFDG de partir prendre service. Bon, de toutes les façons, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc je vais vous laisser le soin de donner vos points de vue par rapport à cette affaire de Matoto, puisque c'est à la une. Le deuxième sujet que nous allons aborder ce soir, ça sera le non-respect dans certains endroits de Conakry, le non-respect du prix officiel du carburant à la pompe. Comme vous le savez, le Premier ministre Kassori Fofana avait réduit les prix d'essence, hein, on avait discuté ici à 500 $, mais c'est que nous constatons tout récemment que les stations d'essence, les vendeurs d'essence ont catégoriquement refusé d'appliquer cette loi du Premier ministre. Donc après la baisse de ces 500 francs guinéens du prix du litre d'essence à la pompe, il était alors constaté par le ministre de la tutelle du ministère du pétrole que vraiment cette décision du Premier ministre a été rejetée catégoriquement par certaines stations d'essence. Alors les gens continuent à acheter à 10 000, ils s'en fichent, voilà, Kassori, bon, prendre des 500 francs, c'est insuffisant, les gens n'en ont pas besoin. Donc le ministre en charge de l'hydrocarbure a invité à tous les directeurs de ces sociétés pétrolières-là de tout faire, de mettre en œuvre pour l'application de cette décision du gouvernement. Mais je veux vos points de vue par rapport à cela aussi. Pourquoi vous pensez que les citoyens ou les stations d'essence refusent catégoriquement d'appliquer cette décision du gouvernement? Alors, bienvenue à vous. Nous allons parler maintenant de Matoto. C'est à la une, hein. Matoto est à la une. Bon, nous allons parler de Matoto peut-être jusqu'à la fin de ce mois. Comme je crois qu'il y a eu une plénière
qui nous tenus ce lundi au QG de l'UFDG, l'opposition a rejeté en bloc la décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je vous ferai écouter tout à l'heure la déclaration de M. Kalemodou Yansané. Je suis en train de préparer le fichier pour les autres déclarations aussi. Il y a Domani Doré aussi qui a fait une déclaration. Si on a beaucoup d'espace, nous, on va jouer les audios au fur et à mesure que nous évoluons dans cette émission. Mais en attendant, l'opposition a tenu une plénière ce lundi en rejetant catégoriquement les décisions du ministre, du ministre de l'administration du territoire par rapport à la reprise des élections ou à l'élection du nouveau maire. Kalemodou Yansané se réclame toujours comme le maire la dite commune de Matoto. Alors je vais vous faire écouter d'abord, je vous donnais la parole tout à l'heure, le temps pour moi de finir préparer les audios, mais je vais ouvrir ce débat par vous faire écouter la déclaration de candidat de l'UFDG, M. Kalemodou Yansané, vous-même. Et puis nous allons vous faire écouter aussi l'audio, la déclaration de Sidi Atoué de l'UFR, puisque l'UFR a joué un grand rôle dans cette affaire. J'avais dit à Sidi B la fois dernière que si les élections étaient reprises, l'UFDG n'allait pas participer. Et s'ils acceptaient de participer, même si ce n'est pas participer au débat, aux élections, que le RPG allait avoir tout le temps de convaincre ces 9 et nos conseillers qui avaient refusé de voter pour eux de revenir sous la table, puisque c'est le parti au pouvoir. Alors, je dis bonsoir à M. Condé du Canada, bonsoir à vous et bonsoir à M. Sidibé. M. Sidibé est connecté de New York, bonsoir à vous. Je vais vous entendre aujourd'hui par rapport à cette affaire de Matoto. Je crois que le RPG a remporté, c'était une élection à sens unique, donc on s'apprêtait à cela, il n'y a pas de problème. J'ai dit bonsoir à Mohamed Ba, M. Ba aussi est connecté. Alors, on va ouvrir nos 4 micros. Monsieur Ballet de l'Allemagne aussi est là. J'ai besoin de votre point de vue, puisqu'on est suivi sur Facebook Live. Il y a Alassane Traoré qui veut participer au débat. On va lui laisser participer au débat à partir de Facebook. Il va nous envoyer aussi ses questionnaires. Il m'a déjà envoyé un texte sur Live Facebook, Watch Paris Live Facebook. On va prendre les questionnaires au fur et à mesure. On va les faire participer aussi au débat. C'est comme ça va se passer. Maintenant, je vais vous faire écouter la déclaration de Kalemodou et de Sidi Atoué. Mais on va commencer par Kalemodou. C'est très important. Et je veux aujourd'hui un débat civilisé. C'est-à-dire, nous allons trouver une solution. Nous allons donner nos points de vue par rapport à la situation politique en général de notre pays, mais plus précisément par rapport aux élections de Matoto, ok? Et la baisse du prix du carburant qui vraiment n'a pas tendance à être respecté, à faire respecter par les sociétés pétrolières. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces deux sujets. Sans plus tarder, je vais vous faire écouter l'audio de M. Kalemodou Yansané pour vous permettre de comprendre la position réelle du candidat de l'UFDG, mais aussi du parti de l'UFDG. Vous n'êtes pas devant un candidat perdant. Vous êtes devant le maire élu de Matoto. Maire élu le 15 décembre 2018 devant toute la presse. J'ai écrit au ministre Boué Makonde avant-hier en tant que maire pour lui dire que pour convoquer la session pour la mise en place des conseillers de l'église de la commune, la loi prévoit un arrêté signé de lui. Il m'a répondu pour dire que je fais usurpation de titre. Parce que j'ai dit que je suis maire. C'est lui-même qui fait usurpation de fonction. Parce qu'il a déclaré qu'il annule une élection, il n'a pas le pouvoir. Si moi j'ai usurpé un titre, lui il a usurpé une fonction. Ceci dit,
nous n'avons pas été au vote d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons demandé au ministre de nous écrire pour nous dire quel est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Il a écrit pour nous dire que l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'élection du maire de Matoto et l'élection de ses adjoints. Nous, nous avons dit que le maire de Matoto a été élu devant toute la presse et j'ai été élu devant vous tous, 23 voix sur 45. À partir de là, je ne peux pas me prêter, je ne peux pas mettre ma compétition, je ne peux pas mettre mon titre en jeu. Deuxième chose, la loi prévoit que le corps électoral soit convoqué par arrêté du ministre. Il a fait une note signée par le secrétaire général. Nous ne pouvons pas le suivre dans ça. Les lois ne sont pas faites pour être, pour s'amuser avec. Ce n'est pas un mouchoir avec lequel on s'essuie. Les lois sont faites pour être respectées par tous. Donc à partir de là, nous n'avons pas été. Et vous avez constaté, toute la presse qui a témoigné le 15 décembre 2018 que j'ai été élu, je ne sais pas parmi vous quelle est la seule presse qui a été autorisée à être dans la salle. Il y en a? Il y en a? Bon, non. Dites-moi non, si c'est non, c'est non. 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 Bien. À partir de là, ce n'est plus transparent. Qu'est-ce qu'on cache? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 14 élus de l'UFDC ne sont pas venus. Celui du PDN n'était pas là, 15. Celui du RPR et à Kamsar, 16. 17, il y a un qui est décédé. 18, le deuxième de PIP n'est pas venu. 19, qui encore? Le BL, non pas le BL, le BL je crois qu'il était... Il y en a d'autres partis, je ne citerai pas le nom, qui n'ont même pas été inviés. Combien? Il y a d'autres même dans les rangs de RPG qui n'étaient pas aussi conviés. Dans la salle, il n'y avait pas plus de 15 personnes physiquement présentes. Tout le reste, c'est des procurations. Est-ce que ça, c'est la démocratie? C'est ce que nous voulons pour la Guinée? Nous, on ne s'associe pas à ça. À partir de là, nous allons saisir le tribunal pour dire le droit. On ira au tribunal de Mafanko. De là, si nous avons gagné de quoi, l'âme de l'aïe, on poursuivra au tribunal de la Cour suprême pour dire également le droit. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Pour moi, cette élection ne compte pas. Je ne sais pas pour vous si ça compte. Vous n'avez pas témoigné. C'est une élection publique et on empêche la presse d'accéder à la salle. Ce n'est pas personnel. Pourquoi vous avez empêché de rentrer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cache? Honorable, vous dites qu'il n'y avait pas 15 conseillers au niveau de la mairie. Bon, il a été élu par 30 voix. Il y a un qui est mort, n'est-ce pas? Ça fait 31. Nous, nous sommes 14 ici. Ça fait combien? 44. Le PDN est au Canada. Celui de RPR est à Kamsar. Celui du PIP n'est même pas venu. Il y en a qui ne sont même pas informés. Faites votre compte vous-même. Chers auditeurs, ça c'était M. Kalemondou Yansané, l'honorable Kalemondou Yansané, qui se réclame comme étant toujours le maire de Matoto. Alors ça chauffe à Matoto, hein. Je vais vous laisser le soin, moi je vais donner mon point de vue après avoir écouté tout un chacun de vous. Je commencerai par dire bonsoir à mon frère M. Condé du Canada. Je vais commencer par vous avant de partir en Allemagne, et nous prendre M. Baldé. Et puis ensuite, je vais partir du côté de Houston, et puis ainsi de suite, New York, M. Sidibé aussi est là, qui nous attend. Nous allons ouvrir ce débat, M. Sissoko, bonsoir à vous, et bienvenue dans ce débat, M. Condé, Ibrahim Assouri du Canada, bonsoir. C'est chaud là, à Matoto, hein, M. Condé. Oui, bonsoir, M. Bangoura, et bonsoir à tout le panel. Comment allez-vous, mon frère? Oui, Dieu merci, ça va bien. J'espère la même chose pour vous aussi. Oui. Voilà, on est revenu à la case du départ, là. Oui, que ça c'est chaud à ma tête, mais qu'est-ce qui est chaud? Rien n'est chaud. On a dit à quand vous allez s'installer, vous allez gagner, mais allez installer votre cas.
ne fait-on pas aller? Ça, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que, arrêtons de se mentir, quoi, vous voyez, parce que si on se ment, on va aussi mentir aux autres. C'est-à-dire que vous gagnez une élection, tous les preuves sont là, tous les médias sont là, c'est vu. On a compté 23 pour Kalemodou. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller installer votre maire? Première erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gars dit, je suis prêt à aller en condition que ce soit les postes de vice-maire. Non, mais ce n'est pas lui, à lui de dire ça. Toi, tu es le maire, point. Tu n'as plus à te mêler de vice-maire ou pas de vice-maire. Deuxièmement, j'ai dit ici la semaine passée, M. Bangoura, on ne donne pas le pouvoir dans un plateau d'or. L'exemple palpable, c'est le discours aujourd'hui de Guillaume Soro quand il a démissionné. Quand Guillaume Soro a démissionné, il a fait des interviews, il a compris la situation. Il sait que Alassane Ouattara ne va pas lui donner le pouvoir dans un cadeau d'or. Donc le gars a démissionné. Donc arrêtons de faire des. Arrêtons de gâter les Guinéens. Arrêtons de tout le temps dire à l'opposition ils sont face à un dictateur, ils sont face à Alpha Condé. Il faut qu'à un moment donné, l'opposition aussi sorte ses culottes. Il faut qu'il sorte ses muscles et arrêter tout le temps d'être là à pleurer. Nous, on n'est plus là pour les consoler. J'ai dit la semaine passée ici dans votre débat, Kalemodou Ansaré n'a qu'à aller, les militants n'ont qu'à aller installer le gars, point final. Mais ils ont refusé, ils sont allés installer maintenant TOS. Maintenant, c'est fini. C'est fini. TOS est là, mais c'est fini. Moi, je ne vois plus maintenant par quelle magie ils vont renverser cette tendance. There is no way. C'est fini. Il n'y a aucune manière de renverser cette tendance. Vous savez, l'FDG, c'est un parti, j'ai toujours dit, ils ne font pas de la politique avec la tête. Ce n'est pas un parti vraiment structuré, c'est un parti de masse populaire. C'est des gens qui sont bruyants, ils sont là, c'est la masse populaire. Mais tandis que ce n'est pas ça qui donne le pouvoir. Si c'était la masse là qui donnait le pouvoir, Étienne Tshisekedi allait être au pouvoir il y a longtemps. À son âme, hein. c'est pas ça, c'est la stratégie, l'intelligence et la masse, les trois réunis là, qui peuvent faire vraiment, et la persévérance qui peuvent recouvrir au pouvoir. Mais les gens de Matoutou, ils aiment Kalemodou Ansaré, c'est le plus aimé là-bas entre les candidats, c'est le plus aimé. Mais pourquoi Kalemodou dit qu'il est toujours le maire, hein, de... Mais comment, monsieur, ça c'est juste des discours de perdants. C'est les discours de perdants. Moi, je sais, c'est quoi le vrai truc, M. Bangoura. Kalemodou qui est le perdant, moi, je pense qu'il ne va rien faire. Il ne va rien faire, c'est fini. Le truc est le 20. Et puis, il devait aller s'installer. Quand on a fait le débat ici, il devait aller s'installer. Et puis, avec ses militants, il s'installe, point. Il met son drapeau, point. Vous allez me dire que oui, mais l'État ne va pas le reconnaître. C'est comme si c'est comme ça. Mais l'image là qu'il aurait fait, l'image là va rester gravée dans la mémoire des gens de Matoto. Il dit, on ne va pas donner le pouvoir. Un PG ne va pas venir vous donner le pouvoir dans un plateau d'or. Ils ne vont pas le faire. Dans aucun pays du monde, on viendra comme ça dire, bon, toi tu as beaucoup souffert, tu as le pouvoir, prends ça. Mais non, on a dit ici, Kalemodou, vas-y, installe. Tes militaires étaient chauds, allez les installer. Les gens vont me dire que oui, mais de quel droit il va se prendre pour installer? On est face à un pouvoir corrompu. On est face à un pouvoir là qui joue la carte de la violence et des violations des lois. Donc, face à ce type de pouvoir, c'est la force qui marche. Mais attention, là, comment la force aussi peut marcher s'il faut tant que vous allez négocier avec ce pouvoir? Alors là aussi, il y a problème. Il y a problème. Pour combattre un pouvoir corrompu, un pouvoir qui tend vers la dictature, on ne négocie pas. Mais si vous allez signer des accords qui bannit les autres, vous avez vu, le bloc libéral a fait des déclarations, les autres leaders politiques ont fait des déclarations, mais personne n'est venu farouchement soutenir Kalemodou Ansaré parce que l'UFDG a déjà exclu auparavant d'autres leaders politiques. Donc, la politique guinéenne, comment ça va? Moi, je ne suis plus étonné. Moi, je ne suis plus étonné. Moi, Mamadou Tosba, Kalemodou Ba, tous les deux, personne ne va rien faire de toute façon. Tous les deux, là, ils vont être maires. Personne ne va faire quelque chose là-bas. Ils seront tous là-bas à la solde de leur formation politique. Ils ne vont rien faire. Mais de toute façon, moi-même, ça ne me dit rien. Moi, je pense que l'UFDG a compris que... Il ne peut pas faire du forcing avec Matoto. Ils ont compris ça. Déjà, vous avez deux communes sur trois, ce qui est bon.
c'est déjà pas mal, vous avez ça, et puis vous avez beaucoup d'autres communes. J'ai vu même des militants venir de se vanter de ça. Alors, c'est bon, vous gardez ça. Mais il faut que moi, je vous dise que l'UFDG avait constaté quelque chose qui les a fait hésiter de participer aux élections, puisque d'habitude, ce loup n'est pas pour la politique de la chaise vide. Hein. Non, écoutez, vous savez, la Guinée, il y a beaucoup de dessous de table. Peut-être que nous, on ne voit pas. En tout cas, moi, si je fais mes analyses, je me dis, mais pourquoi l'UFDG va faire la politique de la chaise vide? Pourquoi? Moi, j'ai donné ma raison. Ma raison est la suivante. Vous savez, les militants de l'UFDG, eux, je m'excuse du mot, mais c'est des suivistes. Les 90%, c'est des suivistes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bureau exécutif de l'UFDG a dit à Kalemodou, non, n'allez pas. N'allez pas chez eux, c'est fini, vous êtes le maire. Donc, sachant bien que cette politique-là ne les arrange pas, parce que si eux, ils allaient, eux aussi pouvaient faire perturbation, comme le gars du RPG a fait, et puis on annule encore. Mais Soldat Ngallo a compris, et le bureau exécutif, ils ont compris que s'ils restent, tout va passer. Comme ça, ils vont dire à leurs militants, ah, vous avez vu nos militants, si on fait chaise vide, c'est pas bon pour nous, donc on va aussi faire chaise pleine à l'Assemblée nationale. Donc, leurs militants vont dire, ah bon, donc allez-y aussi à l'Assemblée nationale, ne faites pas siège vide à l'Assemblée nationale. C'est la seule et unique chose que moi j'ai vue comme qui peut être la réelle politique. C'est-à-dire que convaincre leurs militants pour dire, attention, on a fait siège vide à Matoto, l'RPG a gagné. Donc, si on fait siège vide à l'Assemblée nationale, l'RPG va encore gagner là-bas. Donc, les députés de l'UFDG pourront avoir la baraka de leurs militants au qui siègent. Ça va, tu vois, le cas de Matoto va atténuer leur colère. C'est une stratégie bien montée par celui de Ngallo et sa gang. Mais j'ai dit aux gens, les cas comme Abouleba. Vous n'avez pas confiance au bureau exécutif, du comportement du bureau exécutif de l'UFDG face à leurs militants. Je vous jure, monsieur, je vous jure, écoutez, celui de Ngallo, il y a une crise, il quitte. Matoto, qui est la plus grande commune de la Guinée même, hein, de la Guinée, il quitte Conakry, il n'est plus à Conakry. Tout ce dossier de Matoto, c'est Fodewoussou qui t'a emparé de ça. Et Fodewoussou, encore lui, c'est juste un grand parleur. Il ne fait rien de concret. Donc, Soldat Ngallo sait que, pour ne pas qu'on dise que c'est Soldat Ngallo qui ne veut pas appuyer Kalemodou Yansané, il n'était pas là. Les gens m'ont dit non, celui-là était en voyage, en mission du parti. Mais quelle mission? Il a fini sa mission en Europe depuis la semaine passée. Il pouvait rentrer pour mettre pression pour qu'on installe Kalemodou. Mais elle n'a pas fait. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent la politique guinéenne. Il n'a pas fait. Ils ont dit, l'ordre a été donné pour dire au bureau, dites à Kalemodou et dites au conseiller de boycotter. Parce que pour nous, ça c'est juste une stratégie pour dire que nous, on a gagné. Mais, M. Bangoura, honnêtement, si Kalemodou allait avec les 14 députés, et qu'on met les bulletins, ils gâtent là-bas, ils déchirent les bulletins, on va aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore annuler. Mais si c'est que cette stratégie n'est pas bonne pour eux. Parce que s'ils font ça, le seul et unique but, c'est quoi? C'est pour convaincre les militants de l'UFDG pour les dire que la politique de la chaise vide n'est pas bonne pour juste. Un seul objectif, allez-y, et un seul objectif, allez à l'Assemblée nationale. C'est cette stratégie que moi je vois. Mais le conseil que moi je vais donner à des maires ou à des intellectuels comme Abouleba de Kimbia, les gars comme les Kalemodo et d'autres, parce que si même Dixil, l'UFDG pouvait perdre ça. L'UFDG pouvait perdre ça, mais c'est juste que Alpha Condé et Mamadou Sylla n'ont pas entendu parce que Mamadou Sylla voulait récupérer. Millions, je ne sais pas, 12 millions comme avec Alpha Condé, mais c'est juste à cause de ça qu'ils ne sont pas entendus. Donc, moi, je pense que les cadres qui sont à l'UFDG, les gens qui veulent des postes électifs, il faut faire très, très attention. Quand vous venez à une élection, dites à votre parti de vous soutenir ferme. Parce que si le parti ne vous soutient pas ferme, c'est que le pouvoir peut jouer sur ça. Mais pourquoi donc, tu penses que le parti de l'UFDG n'a pas. Ne supporte pas ses militants à 100%. Pourquoi? Non, attention, le parti, je ne parle pas des militants. Je dis bien
que le parti ne soutient pas Kalimondo Yansané. Le parti n'a pas soutenu Kalimondo Yansané. Pour pouvoir convaincre leurs militants, pour avoir un argument face à leurs militants pour dire que la politique de la chaise vide, ça ne nous arrange pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire quoi? Je vais encore expliquer. Vous savez, les députés de l'UFDG, l'écrasante militant de l'UFDG veulent que les députés ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, comment convaincre les militants de l'UFDG pour que les députés siègent à l'Assemblée nationale? Comment les convaincre? Il faut trouver une stratégie. Alors, cette stratégie-là, c'est abattu sur Kalimondo Yansané. C'est-à-dire quoi? Il faut faire croire aux militants que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Comment les faire croire? C'est-à-dire qu'il faut que Kalimondo Yansané boycotte le truc sans son gré. C'est-à-dire que l'ordre a été donné au bureau. Sinon, Kalimondo Yansané voulait aller à la mairie. J'ai cette information aussi. J'ai la source. Kalimondo Yansané voulait aller à la mairie. Mais ce jour-là, il y avait des gens qui étaient préparés pour faire semblant pour que ils votent du non, tu ne vas pas, c'est toi le maire. C'était une stratégie pour l'empêcher d'aller. Alors, ils l'ont empêché d'aller. Maintenant, le bureau va récupérer ça pour dire que, ah, mes militants, vous avez vu, on n'est pas allé à Matoto, l'RPG a gagné. Donc, laissez-nous aller à l'Assemblée nationale. Donc, l'argument là qu'ils vont sortir par leurs militants. Je vois. Donc, c'est une stratégie politique, quoi. C'est une stratégie politique bien gérée par Serge Diallo et son directoire, comme l'appelle Baouri. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Bangoura, la politique guinéenne est très profonde. Abouleba, moi aujourd'hui, j'ai mal pour un homme, Abouleba de Kindia, M. Bangoura, honnêtement. On était tous là dans ce débat. Moi, je vous ai dit, entre Abouleba et M. Bangoura, c'est Bangoura, non, à Kindia, Bangoura ou Soumou. Voilà, entre Abouleba et Bangoura, vous allez faire 1 million d'élections, j'ai tout changé Abouleba. Je vous ai dit, si ça a chauffé, les gens du positionnement, ça, ok. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est M. Bangoura-là que certains ont soutenu. Je crois donc vous et même beaucoup de personnes. C'est lui qui demande aujourd'hui le troisième mandat pour Alpha Condé. Un. Deuxièmement, Ruissal a remis 300 000 dollars ou 3 milliards de francs guinéens à la ville de Kindia. Qu'est-ce qui s'est passé à la remise? À la remise, c'est le préfet qui prend le chèque. Mais le chèque, le gros truc qu'on met, le préfet qui prend ça. Est-ce que c'est le préfet de prendre le chèque ou bien c'est au maire de prendre le chèque? Voilà les choses que M. Abouleba combattait. Abouleba, lui, combattait ça. Alors, Qui a pris le chèque? Qui a pris le chèque, monsieur? Le préfet. Le préfet de Kindia. Qui a pris le chèque? C'est le maire qui devrait percevoir le chèque, non? Ben oui, c'est le maire. La ville, c'est le maire. Ça, c'est la décentralisation. C'est le maire. C'est lui qui devait prendre. C'est le préfet qui a pris ça. Le maire était là. Derrière, on donne le chèque. C'est-à-dire que c'est un spécimen, au moins pour le préfet. Le préfet est là. Le gars, le patron de Ruissal est là. Et on remet le chèque au préfet. D'accord. Et ce même Bangoura soutient le troisième mandat. Donc, c'est pour vous dire que oui. Le RPG encore a doublé tout le monde. Le gars-là, c'est un RPG. Alpha Condé va continuer à les rouler dans la farine, quoi. Mais attention, il va nous rouler, nous tous. Nous tous. Et vous, moi, tout le monde. Il va nous rouler tous. S'il fait son sale besoin, mais c'est nous tous qui va nous pénaliser. Donc, nous tous, on sera roulés dans la farine. C'est pourquoi je demande aux militants de l'UFDG. Les vrais militants, les vrais patriotes, les vrais militants du RPG, de l'UFR, ces leaders politiques-là, c'est une bande de petits copains. C'est une bande de mafieux entre eux. Ils cherchent que leur intérêt personnel est égoïste. Tout à fait. Je vous ferai écouter tout à l'heure l'audio de Sidiya. Vous allez aussi l'écouter, M. Condé, pour appuyer ce que M. Condé est en train de dire, pour nous faire comprendre combien de fois ils sont en train de s'amuser avec vous. Puisque c'est eux
les deux candidats aussi se sont présentés devant CIDIA pour demander le support de l'UFR. Mais moi, je crois que M. Condé, c'est pas pour vous couper la parole, que j'ai l'impression que le président de l'UFR déjà il a engagé une campagne avec l'UFDG. C'est-à-dire, lui, il pense que maintenant, que son challenger en 2020 sera Selou. Donc, en conséquence, il ne va plus jamais faire cadeau à l'UFDG. Alors, en oubliant que il y a un problème, une question de continuité qui est là du côté du RPG arc-en-ciel, puisque nous avons constaté devant la mairie de Matoto, les militants de l'UFDG, de l'UFR, du RPG, criaient pour la victoire, mais ensuite ils demandaient le troisième mandat. Alors, mais je ne sais pas ce que l'UFR est en train de faire. Oui. Monsieur Bangoura, l'affaire du troisième mandat maintenant, c'est de l'autorité publique. C'est-à-dire que l'UFR, vous savez, le problème avec l'UFR, c'est que l'UFR n'a pas les militants pour avoir le pouvoir. Ils n'ont pas les militants, ils n'ont pas le nombre, si je peux dire le mot ainsi. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de nombre pour aller même au deuxième tour. Donc, l'UFR est dans une position extrêmement difficile. Pour manœuvrer, c'est dur de manœuvrer. Alors, qu'est-ce qu'eux peuvent faire? La seule chose, c'est-à-dire que je me mets là dans la stratégie de CIDIA et le bureau, il faut qu'ils récupèrent les militants du RPG. Comment récupérer les militants du RPG? C'est-à-dire que c'est peut-être faire une forme de déguisation, de forme de dire, et sinon le bureau est contre le troisième mandat, mais on peut voir parfois des militants de l'UFR avec des gens du RPG faire la fête ou faire ceci pour essayer de les copter. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je mets ma tête à couper en haute Guinée, une élection libre, crédible, transparente, Alpha Condé n'aura même pas 5%, je mets ma tête à couper. C'est-à-dire que maintenant, le truc c'est quoi? Il y a les doublons, il y a le fichier électoral. Alpha Condé a plus de 5 millions, à peu près 5 millions de faux, comme on appelle ça, des doublons. C'est-à-dire que lui, il a le double de nombre d'électeurs. Il a déjà tous les doublons. On va prendre un autre auditeur. Et on reviendra sur vous tout à l'heure. Donc, je vais juste finir en deux secondes pour terminer. Je dis bien, Alpha Condé est fini. Ce gars, il ne peut plus avoir personne dans une élection libre, crédible et transparente. Donc, je suis là, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Voilà, il va nous rouler dans la parole. Le doublon là, je crois que Sidi avait brossé cela. Oui, M. Sidi, bonsoir. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Mais j'aimerais poser une question à M. Condé. Mm-hmm. S'il peut nous donner les éléments sur lesquels il se base pour dire qu'il donne sa tête à couper, et quels sont ses points, sur les éléments de preuve pour dire que M. Alpha Condé peut avoir 5% en origine aujourd'hui? Non. Premièrement, on a vu l'élection de présidentielle de 2015. On a vu les cadres électeurs avec des enfants. On a vu des bébés, des enfants du collège qu'on sortait pour les forcer pour aller voter. On a vu des cadres électeurs. Deuxièmement, c'est le taux de natalité. Dans le nouveau fichier, le taux de natalité était, je ne sais pas combien de pourcents. Je n'ai pas le pourcentage exact. Mais le taux de natalité, c'est comme si, M. Bangoura, je vous dis, en Haute-Guinée, chaque femme a 20 enfants. Tandis qu'en Moyenne-Guinée, aucune femme n'accouche là-bas. Je ne sais pas bien, en Basse-Guinée, aucune femme n'accouche, mais en Haute-Guinée, les femmes accouchent 20 enfants par. You know what I'm saying? Ça, c'est le fichier. D'accord. Donc, Michel Sidibé, vas-y avec ton commentaire. Il y a beaucoup de mains levées. Je crois que l'introduction de M. Condé a incité vraiment les auditeurs. Il y a beaucoup de mains levées, M. Sidibé. Vas-y rapidement avec ton commentaire. Nous allons vous permettre aujourd'hui de donner vos points de vue sur tous les deux sujets. On va faire au moins réduire les temps d'intervention pour permettre à tout un chacun, puisque tout le monde veut parler avec l'introduction de M. Bouyansou Condé. Alors, M. Sidibé, c'est à vous l'antenne. D'accord, M. Bangoura, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas bien suivi le départ de M. Condé, mais c'est vers la fin là où ça m'a un peu attiré l'attention. Mais ce que je puisse dire, il ne faut pas nous faire croire aux interprétations des politiciens. Et si jamais les images qu'on montre souvent pour dire que
le procès ne peut pas remporter ceci ou cela. C'est la même chose qu'on a entendu entre 2010 et 2015. On nous a dit que l'opposition a 75% de l'électorat guinéen, et cependant que c'est au niveau de la CENI, c'est cette opposition qui est représentée. Ils ont passé tout le temps à se battre à ce qu'ils soient fortement représentés au niveau de la CENI. Et les processus d'enroulement et tout autour dans le pays, du fichier, etc., mais vous n'allez pas nous dire que l'opposition n'a pas participé parce qu'ils sont au sein de la CENI quand même. Et si jamais il y a des doublons, mais on vient nous relater les interprétations des politiciens qu'il y a des doublons, il y a des doublons, mais sans nous montrer des preuves. Même pendant les élections, quand on nous a dit qu'il y a des PV, on les a trichés, mais on les a demandé des preuves qui nous amènent, n'est-ce pas, les PV ou qui ont été falsifiés, ceci, cela, mais ils n'ont pas pu nous apporter. Mais c'est dans le verbiage qu'on entend les choses. Et ils veulent nous convaincre avec ça. Ça ne marche pas. Même le cas de Matoto, M. Bangoura. On vous dit que dans la salle, vous dites que vous avez gagné 23 sur 45. Ce qui vous rend d'office, n'est-ce pas, gagnant. Et il y a eu la pagaille, il y a eu la perturbation. Et vous dites que non, que les bulletins ont été comptés de 1 à 23. Et ceux qui étaient avec vous disent de l'autre camp que ce n'est pas vrai. Que les choses ont été bafouillées d'une manière. Donc, il y a un flou, personne n'a compris quelque chose dedans. Reprenons ce qui s'est passé cette fois-ci de façon très claire. Vous dites que non, ce qui est déjà fait, nous n'allons plus venir parce que si on vient, on va le convaincre nos candidats. Non, c'est des arguments qui ne passent pas. Soit vous acceptez le jeu démocratique. Quel est l'argument que sur lequel le ministre s'est basé pour faire prendre les élections? Vous n'avez pas expliqué cela. Le ministre n'a pas expliqué. Il a parlé du flou. Il y avait flou où? Ils n'ont pas donné des explications. Ils ont dit seulement, OK, comme il y a eu incompréhension, nous allons reprendre. D'accord. Mais vous êtes d'accord quand même, l'image que vous et moi, nous avons tous eue, qu'il y a eu pagaille dans la salle. Il y a eu pagaille dans la salle, mais la pagaille là a été créée par... Il y a eu pagaille dans la salle et des bulletins ont été déchirés. Parce que nous avons, il y a rouge et il y a jaune. N'est-ce pas? Et à partir du moment où les choses ont été perturbées de cette façon... C'est-à-dire qu'il y a une confusion totale. Disons que, acceptons ce que l'opposition a dit, c'est les gens de RPG qui ont semé la pagaille. Mais si jamais vous êtes convaincu, sous 45 et vous avez 23, cette fois-ci, venez de façon très claire. Il ne va pas avoir de pagaille cette fois-ci. On va venir raconter les choses devant tout le monde de façon très claire, avec l'assistance, n'est-ce pas, des personnes ou la sécurité de telle enseigne qui n'aura pas la pagaille cette fois-ci. Vous dites que non, vous n'allez pas accepter ce qui est déjà fait, et si cela n'est pas ce que vous vous dites, si on n'accepte pas ça, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en Guinée. C'est que c'est de la fausseté, et tous les mots qui vous conviennent, vous avez employé cela, et vous avez refusé de vous y rendre là-bas. Mais vous avez écouté Kalemondou, qu'est-ce qui va se passer maintenant, M. Sidibé? Vous avez écouté Kalemondou qui dit qu'il est toujours le maire. Oui, mais chacun est libre de se réclamer. Moi, je peux me dire que je suis maire de Matoto, étant à New York ici. Mais est-ce que cela m'amène à la mairie de Matoto? Soit il y a un État, le pays est gouverné ou ce n'est pas gouverné. Nous avons vu au Congo, quand Fayulu a dit que c'est lui qui a gagné, et la communauté, n'est-ce pas, internationale, ceci, on dit, tout le monde a dit que non, c'est Fayulu qui a gagné. Mais la CENI a proclamé M. Tshisekedi le gagnant. Et qui est resté à la présidence? C'est-à-dire que c'est ça la démocratie. Il faut accepter, n'est-ce pas, c'est une dictature de la démocratie. Ce n'est pas ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'on s'est accordé pour dire que voilà, telle institution, c'est lui qui doit proclamer ça et ceci. Le gagnant ou le perdant. Et cette institution a proclamé le gagnant. Vous dites que non,
vous n'êtes pas d'accord parce que vous estimez le gagnant déjà. Le problème est que le ministre n'a pas donné les motifs réels de la reprise des élections. C'est ça le problème, M. Sidibé. Mais comment voulez-vous comprendre les motifs? Les motifs sont très clairs. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a eu pagaille, il y a eu confusion. C'était confus et touffu. Donc, on ne peut pas proclamer quelqu'un dans cette confusion. Et même la délégation qui a été n'a pas pu dire non, c'est telle personne clairement qui a gagné les élections. Donc, cette fois-ci, comme ça a été confus comme ça, reprenons les choses avec l'assistance de tout le monde pour que le jeu soit clair. Mais vous vous dites que non, vous n'êtes pas d'accord. Soit on vous a triché, ou alors vous avez triché, vous ne voulez pas que cette vérité soit claire. C'est entre les deux. Donc, pour enlever cette confusion, si on vous a triché, ou bien vous avez triché, alors, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de tricherie. Mais vous dites que non, il n'y a pas de démocratie dans le pays, tout est inféodé par le président, ceci, cela, parce que le nom du président vous plaît dans tout ce qui est mauvais. Donc, le président a envoyé des gens pour enlever. Le président dit que moi, je m'en fous des mairies. C'est pas la... Non, d'abord, le président, attention, j'ai des audios ici que je peux vous faire jouer. Le président s'en fiche des élections, c'est-à-dire d'abord, le président s'en fiche des élections, mais le cas particulier de Matoto l'intéressait. Il a dit dans un de ses discours qu'il n'a jamais perdu Matoto. Même au temps de Conte, il a gagné plus de 80%. Mais qu'il avait dit au bureau exécutif du RPG de tendre la main à tout le monde. Il a dit, mais maintenant, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que, quelque part, le président même avait voulu consommer cette défaite-là. J'ai l'audio ici. Ah, bon, ce que vous venez de dire, vous dites qu'avec ça, le président a dit qu'il n'a jamais perdu Matoto. Et quelque part, c'était la première fois qu'il perdait Matoto. Même les élections de 2010, qu'il avait gagné 80%. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas entendu ça. Je vous non, mais j'ai l'audio ici. Je vais jouer tout ça là pour vous. C'est pour cette raison qu'on doit beaucoup faire. Alpha Condé ne peut pas consommer la défaite de Matoto. Parce que Matoto est la plus grande commune. On peut comprendre cela. Il n'y a pas de problème. Mais Alpha Condé, je vais vous faire jouer son audio. Il a dit qu'il avait donné des conseils au parti, de beaucoup faire attention à Matoto, de tendre la main aux citoyens, c'est-à-dire de négocier avec n'importe quelle personne, même s'il n'était pas de RPG, pour pouvoir gagner Matoto. Il dit, mais maintenant, voilà, il a parlé à Malinké, vas-y, j'ai l'audio, je vais jouer, soyez bref, je vais prendre les gens. D'accord. Mais en écoutant vous-même, je sais bien que vous supportez l'opposition d'emblée, mais ce qui reste clair, le jeu est très simple. Vous acceptez de suivre ce que, n'est-ce pas, les institutions démocratiques disent, ou alors vous vous acheminez dans votre droit chemin. C'est ce que l'UFDG a fait. Il dit non, on s'estime gagnant, et nous n'allons pas participer, nous sommes déjà, comme M. Yansané est déjà le maire élu. Mais si c'est comme ça, chacun allait se proclamer gagnant dans n'importe quelle région et puis s'installer. D'accord. Là, en ce moment, il n'y a pas de jeu démocratique. Il faudrait qu'on l'accepte. C'est ce qui s'est passé à Kindia. M. Abdoulaye est venu dire que non, il est le gagnant. Et il vient dans la salle. Il dit que non, il n'est pas d'accord de la manière dont les choses se passent, parce que ce n'est pas ça, c'est pas ce qu'on a signé. D'accord. Et quand on a fait sortir ce qui a été signé, on trouve que non, ce que lui dit, c'est le contraire. On n'a pas dit que non, on dit que RPG ne va pas présenter candidat, mais les conseillers qui sont là-bas, on n'a pas dit que cela doit forcément s'abstenir de voter pour quelqu'un d'autre. On ne va pas présenter candidat. Mais nos conseillers ne vont pas voter pour quelqu'un d'autre, comme si ça a été signé que les conseillers vont strictement voter pour l'UFDG. C'est comme si on était en train de punir le parti UFDG par rapport au comportement de certains de ses militants. M. Sidibé,
Et merci à vous. Reste dans le débat. Il n'y a pas de punition. C'est des adversités. C'est un jeu démocratique. D'accord. Soit on va prendre. Vous n'êtes pas d'accord. Allô? Vous retirez du jeu. On va prendre ce numéro-là. Judy Williams. Qui est Judy Williams là? Rapidement. Allô? On va commencer à prendre les auditeurs. Voilà, alors, et bref, maintenant, hein, on va, il y a la deuxième partie aussi de cette émission-là, pour la baisse du carburant. Vraiment, cette décision ne semble pas être comprise ou appliquée par les sociétés pétrolières. Dans la deuxième partie, nous allons parler de ça. Alors, voilà, Judy Williams. Allô? Judy Williams. Allô? Oui. Ah, pendant ce moment, je t'appelle maintenant Judy Williams. Ok, d'accord. Voilà, c'est Suleiman Ba. Voilà, M. Suleiman Ba, c'est à vous l'antenne. Allez-y rapidement, par rapport aux élections de Matoto. Vous avez écouté Kalemodu Yansané, son audio est là. Je vous ferai jouer l'audio de Sidi Afiné tout à l'heure aussi. Nous allons voir réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de Matoto. M. Suleiman Ba, c'est à vous l'antenne. Il y a des bruits à côté de moi. M. Suleiman Ba, éloigne-toi des bruits, pardon. Il y a des échos, là. Voilà. Allô? Oui. Allô? Il y a des bruits à côté de toi, on t'entend pas. M. Suleiman Ba. Une minute là. Voilà, il y a des bruits à côté de toi, on t'entend pas du tout. Alors nous allons continuer. Oui. Suleiman Ba, il y a des bruits à côté de toi, éloigne-toi de des bruits. Fini, là. C'est fini, non? Non, c'est pas fini. Allô? Voilà, là-bas c'est bon. Allez-y, M. Suleiman Ba. Oh, oui. Bon, bonsoir, je salue tout le monde, M. Bangoura. Bonsoir. Comme j'ai pris le train en marche, je suis venu un peu en retard. Oui. Ben, j'ai écouté les gens de RPG qui font le commentaire. Mais il faut que les gens mettent dans leur tête une seule chose. Élection de Matoto. Oh, n'importe quelle élection qui finit. Ce n'est pas une affaire de l'UFC. C'est une affaire de la Guinée. Si on se bat pour avoir la démocratie dans notre pays, on a perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Maintenant, si on n'a pas la démocratie en Guinée, les gens de RPG sont contents sur ça. Et ils croient que c'est l'UFDG qu'ils sont en train de détruire. C'est la Guinée que ces gens-là sont en train de détruire. Parce que si ça va, jusqu'à un certain point, tous les partis politiques se rencontrent dans leur conscience, soi-disant que ce n'est pas les élections qui donnent le pouvoir à la Guinée, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons recours à l'arme. Pardon Suleiman, Suleiman, là où tu es là, éloigne-toi un peu, il y a des échos. Faut t'isoler. Il y a des échos. L'un des grands partis en Guinée se rend compte que les élections n'est pas nécessaire, les négociations n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Les militants des partis politiques se rendent compte que ce n'est pas les élections qui va donner un parti politique au pouvoir en Guinée, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le pays sera en danger. Pourquoi vous avez choisi la politique de la chaise vide cette fois-ci, puisque c'est pas, ça ne se trouve pas dans l'habitude de l'UFDG? Non, le problème est que, je vous ai déjà dit, cette élection-là, ce n'est pas une affaire de l'UFDG. Je parle maintenant du parti. Pourquoi le parti a décidé de ne pas participer aux élections de Matoto? Oui, parce que c'est inutile. S'il y a eu de mauvaises élections, Kalemodu a gagné. Ils ont dit non, ce n'est pas Kalemodu qui a gagné. Tout le monde a vu l'image. Mais est-ce que l'UFDG va aller
dans une deuxième élection qui a été préparée avec l'armée, avec la police, avec la gendarmerie, pour aller se rediffuser là-bas. Mais écoutez, Pierre n'est pas bête, ils ont des têtes à réfléchir. Maintenant, Pierre ne va pas participer des élections comme ça. Mais seulement, je signale, tous les partis politiques aujourd'hui ont compris les élections avec Alpha Condé, c'est nul et non avenir. Vous savez pourquoi certains partis politiques en Afrique écrivent une branche armée, ça coûte de tout ça là. Et de manière qu'on est en train de partir, on finira pour ça. Parce que les gens ne vont pas te laisser faire. Si vous faites première élection, vous le voulez. Deuxième élection, vous le voulez. Des élections, simples élections communales. Là aussi, vous voulez. Les simples chefs de quartier. Là aussi, vous voulez. Les simples élections de type. Là aussi, vous voulez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que ça, c'est une affaire de l'UFDG? Les gens n'ont qu'à se tromper. Dans les autres pays, Par exemple, au Sénégal, quand on a fait les élections communales, Macky Sall a perdu dans le capital. Mais il n'a pas forcé. Maintenant, en Guinée, si toute chose, c'est le pouvoir qui gagne, vaille, n'importe quoi, hein, mettre l'armée dans la rue, hein, mettre le pression dans le genre, vous pensez que ça c'est une affaire de l'UFDG, c'est bon, vous trompez lourdement. Parce que ce qui va venir là, Alpha Condé va rester là-bas. Il va trépasser la constitution. Vous pensez que quand il reste là-bas, déjà il a donné un signe. Il a donné beaucoup de signes, mais l'affaire de Makoto là, c'est pas pour tout le monde la nuit. Si vous pensez que la Guinée ne résume qu'à l'IFDG, ou bien la Guinée, c'est l'IFDG seulement qui va se lever pour défendre la démocratie. Mais les gens se trompent. Qu'est-ce qui va venir? Alpha Condé va partir les élections. Il va rester là-bas. Hein? Les gens ne vont pas bouger. Le pays coincé. Le système va être coincé. Personne ne va nous aider parce qu'il n'y a pas la démocratie. Donc, qui est fatigué? C'est la population entière qui est fatiguée. Mais Je dis que le Guinée ne va pas très bien. Vous pensez que les gens vont porter confiance en nous pour nous donner l'argent, pour travailler le pays? Mais les gens vont refuser, ils vont dire que le pays là n'est pas stable. Le pays là, il n'y a pas de démocratie. Je ne veux pas donner le gens là mon argent parce que le pays n'a pas garanti. C'est la démocratie qui garantit un pays. S'il n'y a pas la démocratie, le pays n'ira nulle part. Donc, les gens, ils n'ont pas bien réfléchi en pensant que c'est l'affaire de l'UFDG. Ce n'est pas l'affaire de l'UFDG, hein. Oui, mais il faut le dire, ce n'est pas l'affaire de l'UFDG, c'est l'affaire de l'ethnie. Le problème de Matoto Poutou doit être un problème des Guinéens, pas un problème de l'UFDG. Voilà. Parce que Alpha Condé, c'est Bangoura, Alpha Condé a donné un grand signe. Il ne faut pas partir avec un autre avec les élections. Ni les élections directives, ni les élections communales, ni les élections chefs de quartier. Vous ne pouvez pas faire la pluie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que l'UFDG va se passer? Je vous dis qu'est-ce qui va se passer. Oui. Il y aura des partis politiques qui vont. Vous vous souvenez, il a dit, quand tu vas avec le pouvoir, toi tu luttes pour la démocratie, tu vas avec le pouvoir, il vole une fois, il vole deux fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à l'arme. C'est Alpha Condé qui a dit ça. Même aujourd'hui, il regardait ça. Mais là, les autres partis politiques, s'ils avaient le pouvoir avec Alpha Condé, c'est avec les armes, pas avec les élections. D'accord. Avec les armes. Je dis ça plusieurs fois ici.
Merci. Merci à vous. Pour dire, avoir le pouvoir avec Alpha. Voilà. Quand on se demande, merci à vous. On va rester dans le débat. Et voilà, mais positionne-toi très bien là. Et voilà, pour Souleymane Ba, c'est les armes qui pourront nous faire gagner l'opposition contre Alpha Condé. Mais de toutes les façons, on ne veut pas que les armes soient prises contre notre pays. La Guinée Moukadama. C'est ça notre slogan. Nous allons faire la démocratie comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à battre Alpha Condé, hein, en utilisant la même démocratie. Voilà. Donc, ce n'est pas avec les armes qu'on pourra faire changer le régime en Guinée. Voilà. Donc, ça n'engage que contre la demande. Je vais prendre M. Sissoko. M. Sissoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Ah, Dieu merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je salue tous les frères sur la radio. Mmh, vraiment. On est dans un pays là où on ne comprend plus rien. Hein. Et, ma Toto, pour organiser des élections communales, ça nous a pris 7 ans. 7 ans. Les élections législatives, 5 ans. Et jusqu'à présent, en Guinée, M. Sissoko, nous, on ne fait que parler des élections. Rien n'a été fait si ce n'est pas les deux barrages hydroélectriques. Là. Qu'en dites-vous par rapport à ces élections de Matoto là? Ah, le cas de Matoto. Mais pourquoi vous êtes étonné, le cas de Matoto? Moi, ça ne m'étonne pas. Étonné. Moi, j'avais dit à Sidibé la semaine dernière, je dis si on donne l'occasion au RPG de reprendre, de faire reprendre des élections, ils vont gagner haut la main. Ils n'auront même pas de problème. Non, ce n'est même pas le niveau d'abord, même de reprendre l'élection. Ce n'est même pas ça. Vous voulez quelque chose que vous n'arrivez pas à dire d'abord. Mais la loi en Guinée, ça a été violée par les deux partis, le RPG et l'UFDG. Ils ont modifié le code électoral d'abord. C'est ça qu'il faut parler d'abord, avant de faire l'élection communale. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ils ont modifié, c'est les deux partis là, au niveau de l'Assemblée, qui ont modifié le code électoral. Sidi avait insisté, même Frère Minimono, il avait insisté, mais ils ont dit qu'ils sont majoritaires, les deux partis sont majoritaires. Donc, ils ont fait voter la loi, donc pour modifier le code électoral. C'est ça qui nous a amené tout le problème là. C'est le départ. C'est le départ. Il faut que les gens arrivent à comprendre comment on est venu à ce niveau-là d'abord. Moi, le cas de Matoto, ça m'étonne même pas. Donc, Dalin fait partie de cette violation. Dalin a suivi la mouvance. Ils ont violé la loi. Maintenant, après, la mouvance a trompé Dalin. C'est ça qui s'est passé. Dalin a trompé le peuple. Il a suivi la mouvance. Par après, la mouvance aussi a trompé Dalin. C'est aussi clair que ça. Donc, cela veut dire que les politiciens guinéens, là, ils sont en train de nous blaguer. Vous savez, M. Bangoura, le sujet est très, très intéressant. Vous savez, le centre ivoirien, le règlement, là, le centre ivoirien, Tchiken Fakoli, il dit quelque chose de très, très important. Il faut écouter ses paroles. Il dit, en Afrique, la politique, vous m'entendez, hein? On vous entend parfaitement bien, on vous entend, allez-y. Tchiken Fakoli, le règlement ivoirien, là, il dit en Afrique, l'Afrique, la politique est devenue comme un problème de business. C'est-à-dire, les gens rentrent dans la politique pour s'enrichir. Vous avez compris? C'est-à-dire, quelqu'un rentre dans la politique, il n'a rien, et le lendemain, il rentre dans le quartier, il a 4x4, il est devenu riche, le nouveau riche. Donc, c'est ça qui se passe en Afrique, et particulièrement en Guinée. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez cela. C'est-à-dire, quand je vois mes parents guinéens, ils se battent pour l'ethnie. Ce n'est pas l'ethnie qui va changer ta vie, M. Bangoura, ni ma vie, ni la vie des autres. On a vu, exemple, je prends l'exemple de le régime de l'ancien Conte. L'ancien Conte était là pendant les 26, les 24 ans que l'ancien Conte a fait. Est-ce que les soucis étaient errés? Quand vous prenez les soucis de façon générale, est-ce qu'ils étaient contents? Pas du tout. C'est quelques gens, les faux de Bangoura, les faux de ceux qui avaient des postes, c'est tout. Mais et pourtant, il y a des soucis qui ont supporté l'ancien Conte. Mais est-ce que durant tout ce mandat-là, il y avait des chouchous qui étaient dans la pauvreté, jusqu'à la mort de l'ancien Conte. On a vu cela. Ouais, mais c'est la même chose qui vient avec Alpha Condé. Il y a des malinqués qui ont supporté Alpha Condé.
qui ont souffert le temps de l'ancien Kwante. Mais après 10 ans, après 8 ans de mandat de l'Alpha, est-ce que les Malinkés allaient à Sigiri, à la Mandiana, à la Koussa? Mais c'est la pauvreté, M. Bangoura. Tout à fait. Là où l'or sort, là, le diamant sort, là, Banankoro, là, la semaine passée, là, il y a eu des massacres là-bas. Il y a eu 17 Guinéens qui ont perdu leur vie à Sigiri. Mm-hmm. Ils sont en train de chercher l'or. À Mandiana, il y a eu l'affrontement entre les deux communautés. Il y a eu 8 morts. À Koundara aussi, il y a eu un accident. Il y a eu, la semaine passée, il y a plus de 40 Guinéens qui ont perdu leur vie. Et le président Alpha Condé n'est même pas allé là-bas. Il a pris son avion, il est parti de la réunion de l'Éthiopie là-bas, à Addis Abeba. Ce n'est pas son problème. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à comprendre le jeu que les politiciens sont en train de nous faire, c'est-à-dire, on va les suivre, nous allons devenir les perdants, les plus grands perdants. Nous, les Guinéens, c'est ça qui va nous arriver. Mais regardez, Blaise Compaoré, Burkina Faso, il était l'homme le plus puissant. Il est en Afrique de l'Ouest. Mais lorsque les Burkinabés, ils ont décidé de mettre fin, le peuple s'est réveillé au Burkina Faso. Blaise Compaoré était très puissant. Mais qu'est-ce que la France a laissé? Il a laissé. Il a été chassé au pouvoir. Donc, c'est ça que j'ai en train de dire. C'est-à-dire, tant que les Guinéens, nous les Guinéens, on ne laisse pas les Guinéens à côté. On ne laisse pas les Guinéens à côté. On ne va pas s'en sortir avec ces politiciens-là. C'est-à-dire, tous ces Guinéens-là, les Kouyaté-là, les Dalin-là, l'Alpha-là, on doit les balayer, mettre un nouveau gars qui va changer ce pays-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui va venir, il ne va pas parler le problème d'ethnie, il ne va pas parler le problème de région. Vraiment, il va mettre ce pays-là sur les rails. Mais regardez le Ghana. Ghana dépasse la Côte d'Ivoire aujourd'hui en matière de croissance. Je vous ai dit, avec, ils ont 3 ressources naturelles, Ghana. Ils ont le pétrole, ils ont l'eau et le cacao. Mais il faut écouter, il faut voir comment Ghana est en train d'évoluer. La démocratie marche, ils ont 4 présidents à vie au Ghana. C'est-à-dire, mais c'est les pays-là qui sont proches de la Guinée. Ils ne sont pas loin, ils ne sont pas à l'Afrique centrale. Ou l'Afrique du Sud, ils sont à côté de nous. Soko, pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, quand nous, on grandissait en Guinée, au temps de Sékou Touré, c'est les Ghanéens qui balayaient la rue à Conakry. Mais je sais, je connais cela. Mais même la pêche. Vous vous souvenez, mais à un moment donné, ils ont tous disparu, ils sont rentrés chez eux. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais le Ghana est le modèle de la démocratie et la croissance. Ils ont un taux de croissance de 10,5. Le plus élevé en Afrique aujourd'hui. Un taux de croissance de 10,5. Incroyable, mais vrai. Mais c'est ça que j'ai en train de vous dire là. Le cas de Matoto ne doit pas vous étonner. Mais Dalin même n'est pas démocrate. C'est ça qu'il faut comprendre. La siège ville, quand vous parlez, il a joué. Quelle siège ville? Dalin ne pouvait rien. Il ne pouvait rien faire. Non, mais est-ce que c'est, par exemple, c'est pas un tout petit peu la politique pour dire que, ouais, vous avez vu maintenant que comme on n'a pas refusé de participer aux élections, comme M. Condé l'a dit, aux élections communales maintenant, nous allons avoir le même sort aux élections législatives, donc il faut laisser les députés participer ou siéger à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas le jeu des politiciens un tout petit peu? 30 secondes rapidement. Oh oui, ils sont en train de jouer, ils sont en train de nous blaguer, comme Chikem Fakouli dit, les politiciens guinéens là, ces gens-là se battent pour leur propre intérêt. Dalin ne se bat pas pour la Guinée, Alpha ne se bat pas pour la Guinée. Ils sont tous là, ils veulent accéder au pouvoir pour s'enrichir. C'est ça la réalité, hein, mon frère. Si vous laissez ça, vous allez parler Dalin, vous perdez votre temps, vous pouvez donner la parole aux autres. Mais vraiment, la Guinée est mal partie. Merci à sincèrement. Vous. Merci. Voilà, merci à vous, M. Sissoko de New York. M. Ballet de Philadelphie, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Léo. Comment allez-vous, mon frère? Ça va, je dis bonsoir à M. Sissoko. D'une part, j'apprécie son passage. Mais il y a un endroit où il faut réfléchir un peu. Parce que c'est vrai, Dalin peut ne pas être là pour la démocratie, mais il est trop tôt de le dire. Parce que personne ne savait en Guinée, Alpha Condé allait ressortir là où il est aujourd'hui. Après avoir lutté. D'accord, moi je suis d'accord avec l'argument que on ne doit pas aller trop vite au besoin. C'est ça.
on n'a pas d'abord essayé ces lots, la capacité. C'est ça. Bon, il ne faut pas. Non, mais on a déjà vu comment ils gèrent son parti. Hein. On a déjà vu comment ils font actuellement. Attends, oui, mais tout ça ne peut pas vous faire comprendre réellement qui il est aujourd'hui. Tant que la magistrature suprême, voilà, la personne n'a pas accédé. On n'a pas d'abord essayé la capacité de ces loups. À la tête de la on a vu comment Alpha Condé a géré son parti. C'est de la même manière. Non, mais on ne peut pas juger ces loups. On ne peut pas juger ces loups parce qu'Alpha a échoué. Mais comprenez une chose. Monsieur Balle, c'est ce que je veux dire à Monsieur Balle de Philadelphie. On est d'accord avec l'argument là. Mais il faudrait, ce que les gens sont en train de dire, Monsieur Balle, c'est qu'il faudrait que le leader de l'UFDG soit. C'est-à-dire soit constant dans ce qu'il fait, comme Alpha Condé l'a fait. Il est vraiment constant. C'est Léo. Oui. Le leader de l'UFDG est constant dans ce qu'il fait. Il sait exactement. Trahi. Koto Suleiman a dit quelque chose. Il dit c'est seulement avec les armes qu'on peut prendre le pouvoir avec Alpha Condé. Mm-hmm. Mais je peux vous dire une chose. Mm-hmm. Alpha même est en train de rejeter le pouvoir. La façon dont il est en train de gouverner la Guinée, c'est que lui-même, il est en train de remettre le pouvoir au Guinée. Parce que, quels que soient les problèmes, Alpha vous a dit, si ça ne va pas, ils disent quand le gouvernement organise et puis il fraude, organise une fraude, et finalement, on fait recours aux armes. Mais pour son cas, c'est purement le contraire. Parce que c'est lui-même qui l'avait dit. Donc, il est en train de remettre le pouvoir au Guinéen, la direction dont il a pris là. Parce que toute chose a sa fin. Rien ne va être éternel si ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Donc, s'il continue à gouverner comme ça, je pense qu'il va se retrouver là où tous les dictateurs africains se retrouvent, les anciens dictateurs se retrouvent. Il ne pourra pas échapper. À la CPI. Oui, mais peut-être à la CPI ou bien fuir la Guinée ou aller là où il veut. Comme Blaise Compaoré, il n'est pas à la CPI, mais il a quitté le Burkina. Il peut ne pas aller à la CPI parce que la CPI, c'est un band, c'est une organisation qui est là. Si on te protège là-bas, tu peux ne pas y aller là-bas. Donc, ceux qui commandent la CPI, ils sont là-bas. Ce n'est pas comme vous les entendez, cours, non, ce n'est pas comme ça, Cour pénale internationale, non. C'est la Cour internationale des amis, quoi. Ok, de best friend. Non, je vais vous dire, ce ne sont que des bandits qui sont là-bas. Ils font des milliards, ils profitent autour du monde et puis... Ça va. Il y a les Tony Blair qui sont en Guinée aujourd'hui, conseiller d'Alpha Condé. Pensez-vous que c'est pour rien? C'est pas pour rien. Les Tony Blair, le français, la Kouchner, sont tous là-bas. C'est pas pour rien. Donc, c'est des gens qui ont. Balde, ce truc-là, on l'a entendu depuis 2010. Il faut évoluer. Vous refusez d'évoluer à l'UFDG. Aux élections de Matoto, rapidement, aux élections de Matoto, pourquoi vous avez choisi la politique de la chaise vide? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Souleymane Ba que l'affaire... Vous n'avez pas allé reprendre les élections? Non, pourquoi vous n'avez pas participé aux élections? Et pourquoi... Non, on a participé aux élections. Les élections sont finies. Kalemoda a remporté. Ah bon, d'accord. C'est pas parce qu'on n'a pas... On a participé. Maintenant, le ministre, il vient, il annule... Est-ce que le ministre a droit à annuler cette élection? Est-ce que juridiquement, il a cette compétence-là? Non, il n'en a pas. Donc, c'est que nous considérons que l'élection est déjà faite, et puis Kalemoda a gagné. Ce n'est plus la peine de refaire. Il y a des élections à faire. Si on convoquait pour ces élections-là, on allait répondre. Mais pour élire le maire, Kalemoda... Monsieur Balde, je m'excuse. Monsieur Balde, je m'excuse. Écoutez, le problème de Matoto, je l'ai dit tantôt, monsieur Bangoura, c'est une stratégie de Serdaren Diallo. C'est juste pour avoir un argument... de dire que la politique de la chaise vide n'est pas bonne pour que les députés de l'UFDG puissent siéger à l'Assemblée nationale. Sinon, Serdaren n'a jamais fait la politique de la chaise vide. Pourquoi il n'a Kalemoda voulait bel et bien aller au vote. Il voulait aller. Mais c'est les gens de l'UFDG, le bureau politique, qui l'ont intimidé de ne pas aller. Kalemoda voudrait à ce qu'on reprenne les élections?
Non, non, l'UFDG pouvait aller aussi pour empêcher. Non, non, vous, ce que vous venez de dire là, vous dites qu'Alemoudou voudrait aller. Vous dites qu'Alemoudou. L'UFDG pouvait aller dans la salle, les 14 conseils de l'UFDG. Qu'Alemoudou, même en voyant ces contrastes, les gens ont pris la question. Il voulait aller. On sent ça à lui, il voulait aller. Et j'ai eu qu'est-ce qui prouve qu'il voudrait aller aux élections? Moi, j'ai cette information-là, mais même vous, en voyant les images... vous n'êtes pas plus informé que nous dans ce sens? Écoutez, l'argument, c'est quoi? C'est juste pour dire... Non, Kalemoudou, il est jusqu'à preuve du contraire. Je vais vous dire, les élections locales ne se décident pas à la présidence, c'est que c'est les citoyens... Allez-y voir Kindia. Vous n'êtes pas allé aussi gâter le non, vote. C'est que ce n'est pas le président de la République qui décide l'élection de communale. C'est le citoyen de la localité. Donc, allez-y voir Kindia. Vous allez voir si Kindia d'hier et Kindia aujourd'hui, c'est la même chose. D'accord. C'est qu'on ne peut pas tricher dans les élections locales. Parce que c'est les citoyens qui sont là-bas. J'ai le problème avec vous. Dieu a déjà une mauvaise stratégie là-dessus. Il faut reconnaître un jour. Depuis 2010, vous ne faites que défendre l'IFDG. Peu importe ce que l'IFDG fait, vous dites Amin. Oui, mais c'est que tant que l'IFDG se trouve sur la bonne voie, on va continuer à le défendre. Qu'est-ce qui nous empêche à défendre l'IFDG si l'IFDG se trouve sur la bonne voie? Rien. C'est pas parce que vous venez, vous parlez. Hein? Vous prenez partout quelle bonne voie? Vos députés vont aller. Non, le jour où l'IFDG va faire une erreur, c'est ce jour qu'on va déclarer l'IFDG. Mais jusqu'à présent. Donc, jusqu'aujourd'hui, l'IFDG n'a fait aucune erreur. Erreur. C'est pas l'IFDG qui est chargé d'organiser les élections en Guinée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas grave. D'accord. C'est le gouvernement. Le cheval de Philadelphie finit rapidement. Il y a beaucoup de gens. Ok, j'essaie de comprendre ce que, jusqu'à présent. Est-ce que soutient les députés de l'UFDG s'ils vont siéger ou pas? Est-ce qu'ils soutiennent ça? C'est quoi? Est-ce que vous soutenez vos députés qui vont aller siéger? Vous voulez que vos députés siègent ou non? Moi, je veux qu'ils siègent. Pourquoi pas siéger? D'accord. Maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas à ce que si le député ne siège pas, c'est la volonté d'Alpha Condé. Ça ne marche pas. Il faut qu'on siège parce que. S'il se retrouve seul là-bas, à l'ensemble... Vous ne voulez pas participer aux élections, à la reprise des élections. Voilà. Non, mais honnêtement... Non, la reprise des élections, c'est un ministre... Non, mais les GFDG... Monsieur Léo, ouais. Juridiquement, est-ce que Burama Kondé a droit à annuler une élection en tant que ministre? Juridiquement, les députés n'ont plus le droit de siéger. Non, répondez ce que je dis. Non, juridiquement, les députés ont droit. Juridiquement, si je comprends bien, juridiquement, le ministre n'a pas le droit de reprendre les élections, mais aussi les députés n'ont pas le droit de siéger. Non, ils ont le droit de siéger. Ça, il faut le comprendre. Et puis leur mandat n'est même pas fini. C'est au mois d'avril, ça va finir. Ah, vous prolongez aussi la date? Non, c'est que c'est au mois d'avril. Bon, après le mois d'avril, les députés doivent siéger ou même pas? Après le mois d'avril, s'il y a une nouvelle assemblée, S'il n'y a pas de nouvelle assemblée après le mois d'avril, vos députés doivent siéger ou pas? Ok, il y a un texte de loi qui se prononce sur ça. Ils doivent siéger ou pas, Monsieur Baldé? Je vous demande en tant que juriste. Il ne va pas répondre à ça. Il y a l'argent là-bas, il ne va pas te répondre. Laisse-le. Ouais. Laisse-le. Non, ce n'est même pas un problème d'argent. Koto Sulaiman l'a dit. C'est que ça, ce n'est pas un problème de l'IFDG. Comme Koto Sulaiman l'a dit. Comprenez que ce n'est pas un problème de l'IFDG, c'est un problème de la Guinée. Quand c'est l'argent, ils soutiennent les députés pour aller prendre l'argent. Mais quand c'est Matoto, ils refusent. Non, il n'y a même pas de l'argent. Qu'est-ce que vous parlez? Monsieur Condé, c'est même pas ça. Lui qui est là, Monsieur Baldé qui est là-bas, il n'a rien de cet argent. Mais c'est simplement parce que c'est ses loups. C'est ses loups, donc il sait que c'est lui aussi. Non, comprenez, moi que vous voyez ici, là. Non, c'est qu'il faut se détromper. Moi, j'étais un soutien fervent d'Alpha Condé lorsqu'il était opposant. Détrompez-vous. On connaît l'histoire. On était tous soutiens d'Alpha Condé. Non, moi, le jour du jugement d'Alpha Condé à Kaloum, j'étais là-bas, on m'a bastonné là-bas.
Je vais vous dire, moi, ce n'est pas parce que c'est Selou. Moi, je suis pour le bonheur de ce pays-là. Si Selou, demain, il se comporte de la même manière qu'Alpha, je vais trouver un autre leader. Il se comporte déjà de la même manière qu'Alpha, l'opposition. Il aide Alpha à violer toutes les lois de la République. Non, c'est de prendre les choses. Ce n'est pas un problème ethnique qui est en Guinée. Je vais vous dire, ce n'est pas un problème ethnique qui est en Guinée. C'est un problème de mauvaise gouvernance, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas un problème ethnique. Merci à vous, monsieur. Moi, j'attends mon droit de parole plus tard. Monsieur Balde, excusez-moi de vous avoir coupé. Moi, je vous donne la parole. Prenez. Non, je vais... Non, c'est pas dans le poste. Je vais prendre des auditeurs d'abord. C'est pas dans le poste. Il y a beaucoup de mains levées, monsieur. Monsieur Léo, bonsoir. Allez-y rapidement, Bidjalo. Mais vous entendez de faire pagaille là, sur les panels, là. Je comprends pas. Bonsoir à vous. Monsieur Balde, vous admettez. C'est les gens de l'UFDG qui sont en train de se défendre. On doit leur donner ce respect-là. Mettez-vous à mettre. Voilà. Mais Léo, écoutez. Oui. Les Guinéens, c'est en train de lourer sur les farines. Et Alpha Condé aussi en train. Alpha Condé avec son coulant en train de rire sur les farines. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Les Guinéens ne connaissent pas ce qu'ils veulent. On est seulement parlé. Comme Léo, toi tu es là, tu as une radio, tu as un peu d'avancée là, je suis contre toi. Simple. C'est ça que le Guinéen connaît, et puis c'est leur mentalité, c'est ça. Pas un développement ni avancement. C'est très simple. On a resté en Guinée 3 mois sans l'école. Les gens là sont là-bas. Les populations sont là. Est-ce que les gens la connaissent ce qu'ils veulent? Pour tout ce qu'on est là, on est né. Peut-être la Guinée n'est pas l'indépendance ou la Guinée a eu l'indépendance. On a subi tout le temps de 26 ans de cette tourée. Tout le temps de 24 ans de l'Assana Conté. On est là, ça fait 9 ans d'Alpha Condé. Si donc, restons sur la bonne route, bonne voie, et pensons ce qui est bon pour la Guinée. Moi, je ne regarde pas seulement Sidia Touré. Ou Dalek. Non. Quelqu'un, un humain n'est pas parfait. Monsieur Léo, Mirima Sembe, il va y avoir un peu de temps. Namouna. Mais oui, mon problème brille la Guinée, Mangassa et Kobinara. C'est de mauvaise gouvernance qui est en Guinée. Disons-nous la vérité. Et tous ne disent pas la vérité. Personne. Personne n'a su les tests guinéens. Personne parmi eux. On regarde ce que je parle dans notre pays. Ce n'est pas Matoto seulement. Moi, je suis de Matoto. Peut-être ici, nous avons Matoto Tori. Je vis Matoto sur les forêts même. Là où je trouve le truc là. Le commune là. Qui est en tout le il vient de rentrer au Manaki. Quand on est venu au FBI, il y a un mafalé. Il y a un Matoto Colombe. Mais on est venu au FBI. Il va là, il y a un Matoto Colombe. Je connais très bien Matoto. Il faut regarder ce qui se passe en Haute-Guinée. Monsieur Léo, c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Il faut tricher. Mais Bidjalo, moi, ma question dans ça, une question dans ça, quand on se fait, pourquoi DBAC, UFDG a décidé, et monsieur Gama, et la reprise des élections? Pourquoi? Mais monsieur Léo, on a tout vu sur les vidéos. C'est clair. C'est clair. Le monsieur qui a boycotté l'élection, là, il a décidé le bulletin, là. Il est où? Parce que la police l'avait arrêté. Il est où? Il est de quel parti? Mais disons-nous la vérité. Quand nous sommes là, pagaille à New York, ici, dans une élection, par exemple, je supporte M. Léo. Léo est candidat pour être DICA à New York, ici. Je supporte M. Léo. Je viens décider le bulletin de compte de M. Léo. Maintenant, on me dit c'est pagaille qui a fait. Quel pagaille qui a fait là-bas? C'est les RPGistes qui ont venu décider parce que ça va connaître au pouvoir. Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Dites-nous la vérité. C'est la dictature. Je peux poser une question. Je peux poser une question. On veut vous poser une question là, Bidjalo, rapidement. Vous dites c'est comme ça que vous avez une paix. Monsieur, les institutions dans une paix, c'est comme ça, ils marchent.
Je vois des cadres guinéens, Ils n'ont pas de base. Ils sont partis au l'école. Je n'ai jamais dit la vérité. Ils n'ont jamais suivi la tête guinéenne. Ils ont déstabilisé ce pays-là. Dans tous les domaines. Et tu vois aucun cadre guinéen qui dit la vérité. Sur tous les gens qui travaillent à l'administration guinéenne là, où ils ont une position là, soit parti ou quoi. Bah. Et tous ces mêmes bols. Personne n'a dit la vérité. Personne n'a soumis la caisse guinéenne. Il faut que ces 5 millions qui mettent dans ta poste d'aspect, t'en prie pour les autres. D'accord. C'est comme ça qu'on gouverne la Guinée. Monsieur, c'est comme ça. Monsieur Bidjallo. Je suis opposé à Alpha Condé parce que je suis Diallo. Ah, c'est un peuple. Il n'aime pas maniquer. Si c'est un peuple qui monte comme ça, c'est la même manière. Tant de comptes on a soumis, tant de chefs tout on a soumis. Maintenant, ce qu'ils disaient, ces intellectuels là, parce que ce n'est pas des gens qui ont parti au colonique là qui dirigent la Guinée. C'est les gens qui ont parti à l'école. Et ils n'ont pas aucune responsabilité. Et ils ne parlent pas, ils ne voient pas notre voisin. Ils ne voient pas notre voisin, le premier pays indépendant. Premier pays indépendant francophonie. 60 ans. Après yeah. Deux ans, les gens qui ont pris leur indépendance, ils avancent plus que nous, dans tous les domaines. Oui, oui, oui. Alors mais ça c'est une très bonne question, M. Diallo. Ça, c'est une très bonne question. Il a enveloppé, c'est ça la question qu'on doit se poser. Premier pays indépendant. Vous êtes là. Vous n'avez jamais dit la vérité au peuple de la Guinée. Vous n'avez jamais fait de bonnes choses. Ni pensé de bonnes choses. Vous êtes là à saboter celui-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pose cette question maintenant. Qu'est-ce que vous voulez en Guinée? Monsieur Parce qu'on a trop souffert en Guinée. Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez une proposition? Laissez ça. C'est pas un problème pour la coalition. Les cadres guinéens qui travaillent à l'administration guinéenne là. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Diallo, la seule solution, c'est quoi? Il faudrait que nous nous donnons les mains pour que Alpha Condé quitte le pouvoir en 2020. Ça, c'est pas assez lourd, c'est pas Sidia, c'est pas personne. Il faudrait que nous sortons tous, je ne dis pas, nous sortons tous dans nos esprits et détenus là, et que nous... On laisse ça, c'est les gens là, les intellectuels là, qui ont installé ça dans les têtes guinéennes. Tant que nous ne sortons pas de ça, en 2020, on ne pourra rien faire. Si rien. Nous comprenons qu'on doit sortir dans ces esprits mauvais... La vie n'arrête pas. C'est le dernier où Alpha Condé. Voilà. C'est Touré. Et où on aujourd'hui? Où l'argent est compté? Et tous ils ont mouru. Voilà. On est là qui l'en fait. Ah, ceci, cela. C'est nous qui vit. On doit changer la Guinée. D'accord. Mais vous refusez de changer la Guinée. Vous préférez prendre les mensonges et les corruptions pour déstabiliser les peuples, reste les populations. C'est comme ça, on vient en Guinée. Merci à vous, M. Diallo. On va continuer. C'était Bi Diallo du côté de... Je vous remercie, M. Diallo. Mais nous tous connaissons en Guinée, nous tous connaissons les fonctions publiques guinéennes. Ouais. Voilà. On connaît ce qui se passe là-bas. C'est le problème et le mensonge. Voilà. Si tu n'es pas menti, tu ne peux pas manger. Si tu n'es pas tué, tu ne peux pas manger. Merci à vous, M. Diallo. C'est ce que je dis, intellectuel. Ça, c'est une honte. Restez dans le pays indépendant. Même route, vous pouvez fabriquer dans notre pays. Merci à vous. Restez dans le débat. On va prendre M. Ballet de l'Allemagne. Bonsoir. Après, je vais prendre Mme Ba de l'Angleterre avant de finir par M. Mohamed Ba. Et puis, on va faire écouter l'audio de M. Sidia Touré. Vous allez voir comment M. Sidia Touré a bien voulu trancher. Lui, il a compris cette affaire des élections de Matoto. Il a expliqué dans l'audio comment lui il a pensé. Je crois qu'ils se sont basés sur les accords. L'UFR s'est basé sur les accords pour participer aux élections. Je ne sais pas, peut-être l'UFR, l'UFDG aussi a fait la même chose. Il s'est basé sur l'accord pour refuser de participer. On ne sait pas. Comme c'est la classe politique qui est basée sur les accords politiques. M. Ballet de l'Allemagne, bonsoir. Ou bonjour. Bonsoir, M. Bangoura. Bonjour. Je salue tous les auditeurs de la radio. Bonsoir à tout le monde. Oui. Bon. Voilà. Ton point de vue sur les élections de Matoso, puisque c'est à la une. Mais dans la deuxième partie, nous allons parler tout à l'heure du carburant. Et vous souvenez que Kassori avait réduit le prix du carburant de 100 francs. Mais aujourd'hui, M. Ballet, c'est incroyable.
les stations pétrolières ont refusé d'appliquer la décision de Kassori, on continue toujours à vendre à 10 000 francs. C'est grave. Ah, mais les RPGistes qui nous disent qu'on a besoin d'un État fort, on aurait bien voulu un État fort ici pour au moins pour que la population achète moins leur son carburant. Mais ça, ça n'intéresse pas les RPGistes. C'est pas grave. J'ai la lettre du ministre, c'est lui maintenant qui sort pour demander aux stations d'essence, aux sociétés pétrolières d'appliquer la loi, de respecter. Bon, je ne sais pas si ce point, mais je ne suis pas au courant de ça, je ne sais pas si. À quel prix ces sociétés achètent, tout, bon, je ne sais pas trop. Et puis, en fin de compte, ce que le gouvernement... continue à acheter à 10 000 francs. Voici le circulaire du ministre. Et les sociétés pétrolières, je ne sais pas s'ils ont des accords avec le gouvernement. Parce que le problème en Guinée, c'est que, bon, il y a rien qui est transparent. Voilà. Il y a quelque chose. Alors, revenons à Matoko. Je ne sais pas, ils ont quelle affaire, ils ont quel deal entre eux là-bas ou autre. Bon, je ne sais pas. Sinon, si le gouvernement a raison, ils pouvaient agir. Il pouvait agir contre Total et contre toutes ces sociétés. Il pouvait agir, mais il ne va pas le faire. Mais si c'est pour agir contre sa population, là, ils sont les premiers. Bon, c'est pas grave. On est habitué. C'est vrai. Okay. Alors, le cas de Matoto, qu'en dites-vous rapidement? Ouais, pour le cas de Matoto, est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons en Guinée depuis 2010-2011. Nous sommes dans une situation de déni de justice, tenue de loi totale. Nous avons affaire, on l'a dit ici mille fois, à un gouvernement voyou qui fait tout par la force. Et ce gouvernement s'en fout pas mal de la loi. Et il nous l'a montré à plusieurs reprises. Maintenant, que faire? On revient encore sur la même chose. Que faire? Moi, je prends toujours le bras de fer et la voie judiciaire. Je sais que la voie judiciaire, elle est bloquée au pays et heureusement qu'on a la voie supranationale, par exemple au niveau de la Cour de la CEDEAO, je le dis depuis 2011, mais tout ceci ne rentre pas dans le logiciel de l'opposition. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'elle aurait pu faire arrêter ce gouvernement, mais ça ne l'intéresse pas. En fin de compte, on ne sait pas trop. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder parce que j'ai l'impression que je me répète tout le temps et autres. Et à un certain moment, on est fatigué, puis on a d'autres chats à fouetter. Donc, on va laisser ça. Donc, concernant ce point précis, moi, je me pose une question. Où étaient ces loups? Le prophète, là, il était où? Actuellement, où il y a une vraie bataille à faire, la plus grande commune du pays, où on les vole vis-à-vis, comme on les a volés à Kindia, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi l'UFDG ne décide pas de venir avec tous ses militants, avec Selou en tête, Fode Oussou, Kalimadou Yassane, Ousmane Gawal, tous ces gars qui vont voir, pourquoi ils ne viennent pas là-bas pour dire, ok, maintenant, on va faire les élections, on va rentrer. Et ils font la même pagaille, ils empêchent la tenue de nouvelles élections. Pourquoi c'est le RPG qui peut faire le truc de jouer aux voyous? Pourquoi? Eux, l'UFDG, sont toujours à jouer aux voyous contre les gens à l'ABE ou quelque part à la Baume, dans l'axe. Les gens qui ne les supportent pas, ils font ils montrent leur côté voyou à investir là. Pourquoi ils ne sont pas ici? Moi, c'est ce que je pose à ces UFDG. Allô? Je suis en ligne? Non, je suis en ligne, Allez-y, vas-y, tu es en ligne. Oh, ok. Sinon, un vrai parti politique, avec, d'abord, il faut dire, l'UFDG est complice de ce gouvernement voyou. L'UFDG a toujours mis la loi de côté pour négocier avec ce gouvernement en violation de notre constitution et de nos lois. Ça, c'est acté. Tout le monde le sait et ils sont chamaillés avec tout le monde, mais l'UFDG s'en fout. Puisque c'est nous, tout simplement, il nous a montré que la constitution ne l'intéresse pas. Les statuts de son parti ne l'intéressent pas, rien ne l'intéresse, il fait son petit jeu, ma maman, on ne sait pas à quel jeu il joue. Puisqu'en fin de compte, son parti perd toujours. Peut-être qu'il gagne les 5 milliards ou autre, je ne sais pas quel deal il y a entre lui et Alpha. Hein. On ne sait pas quel deal il y a entre eux. Mais son parti, toute sa stratégie qu'il y a fait de 2010 jusqu'à présent, son parti perd. Alors que la première fois en Guinée, nous avions une opposition qui s'est mobilisée, une opposition qui a beaucoup de personnes derrière elle, mais un mouton devant, qui fait du n'importe quoi, ou bien quelqu'un qui est en accord avec le pouvoir en place. Moi, ce qui me fait encore le plus mal, c'est qu'il y a eu tous ces morts.
Et qu'est-ce qui se passe? Même pour porter plainte devant la cour de la CC, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent de tous ces mots et puis continuent toujours. Et vous allez voir des gens comme mon frère, M. Balde, qui vient ici, qui vont défendre toujours ce mec. Et tant que celui-là sait que peu importe ce qu'il fait, il a ses inconditionnels qui sont essentiellement recrutés au sein de, notre, de sa communauté ou autre, qui seront toujours derrière lui, il s'en foutra pas mal et il restera la même chose. Donc, c'est, il s'agit des cadres de l'IFDG qui sont là, les Kalimandu Yansané ou autres, qui sont là, ou bien de, comment s'appelle le monsieur Ba, de Kindia et autres. Je ne sais pas Ousmane Gawa, à quelle position il a là-bas actuellement. Il s'agit pour un certain moment de se dire. Gawa, il est quoi? Il est le chargé de la communication maintenant de l'UFDG. Ouais, mais je ne sais pas quelle position il a exactement. Regardez, c'est la même chose avec, comment il s'appelle, le mec Changel. Changel, il est actuellement en France ici, il demande de l'argent pour ses avocats. Hein? L'UFDG, c'est le, tout ceci, il ne l'aide pas. C'est comme ça. Monsieur Bade, pas pour vous couper. Hein. Comment ça, monsieur Bangoura, vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui touche des millions, il refuse de payer l'avocat pour Sangel, monsieur. Vous savez, non? Et puis les militants là sont là, nous saouler. C'est lourd, c'est zéro, mon frère. Comment j'ai dit la vérité? Merci. C'est terrible parce qu'à un certain moment, avec tout l'argent que ces militants de l'IFDG ont investi dans leur parti, avec toute la force, avec tout ce qu'ils ont eu, à un certain moment, ils peuvent être exigeants. Ce sont que les chefs, ce sont les militants qui sont les chefs, ce n'est pas le chef qui est devant. À un certain moment, ils peuvent être exigeants pour dire à l'intérieur que tout ce qui s'est passé on a, avec ce gouvernement voyou, quel résultat tu as eu? Et ils se rendront compte que ce loup a eu moins de résultats de ce qu'il aurait pu expérimenter. Il ne faut pas qu'on nous compare. C'est lourd déjà actuellement avec toutes nos politiques qui vont venir nous chanter la chanson depuis qu'il y a opposition en Guinée, aucune opposition est en 7 depuis tout autre. Mais c'est vrai. Mais il n'y a aucune opposition qui aurait pu avoir plus que ça. Est-ce que M. Balde, l'allure à laquelle cette classe politique est en train de se comporter, est-ce que Alpha Condé ne risque pas même de partir avec toute cette classe politique-là? C'est ce que j'espère. Moi, c'est ce que j'espère parce que je vous jure, pardon. Ils nous ont montré, même Sidia, tout le monde, tout est clair. Le seul, à mon avis, actuellement, qui est resté encore honnête de côté, bon, peut-être pour d'autres raisons, c'est l'enfant Kouyaté. Depuis 2010, lui, quand il s'est mis en parler avec Alpha, il a dit, eux tous, ils ont dit qu'ils ne vont pas siéger. C'est lui et Sidia, ils ont siégé. Tout, ils ont fait. Ah, c'est même pas la peine de trop parler de ça. Donc, actuellement, ce qui est sûr, toute cette classe politique-là, actuellement, on voit très bien. Il y a d'autres enjeux qui sont contraires, peut-être des enjeux de la population. Mais le problème qu'on a, c'est un problème très, très, très grave. C'est ce que je disais la dernière fois, on parlait ici. Nous avons une population guinéenne qui a majorité, dit-on, analphabète, je ne sais pas. On a une population guinéenne qui n'est pas trop, qui ne connaît pas trop affaire de politique. Et ce qui m'énerve encore, vous voyez des gens de la diaspora, nous tous qui sommes ici, qui voyons comment la politique marche, on résonne encore pire que mon grand-père qui est au village. Ils ne sont même pas capables de critiquer leurs leaders. Vous vivez dans des pays où on critique les leaders matin, midi, soir. Mais ils ne sont même pas capables de critiquer leurs leaders. Leurs leaders, jusqu'à présent, ils les foutent dans le bordel. Pourquoi ils n'étaient pas là pour qu'ils aillent à Matoto? Pour empêcher cette mascarade d'élection. Pourquoi? C'est lui a un deal avec Alpha Condé. Ceux qui le suivent n'ont qu'à le suivre. C'est lui, il va très bien. Il était dans les hôtels quelque part en Europe, mais en Amérique, je ne sais pas où il était. Hein. Les autres n'ont qu'à aller. Monsieur Balde, merci, je reste dans le débat. Ok, merci. Il y a ceux qui vont me chicoter ici. Qui comme me chicote à cause de ça, moi, je réponds. Hein. Ok, merci. Voilà, mettez-vous à mute. On va partir du côté de l'Angleterre, dire bonjour à Madame Ba, avant de prendre Monsieur Ba de Houston. Madame Ba, bonjour. Alors, Madame Ba, bonjour du côté de Londres. Vous m'entendez? Voilà, Madame Ba ne m'entend pas. Je vais donc partir à Houston, dire bonjour ou bonsoir à mon frère, mon maître Ba. Monsieur Ba, bonsoir. Monsieur Mohamed Ba de Houston, bonsoir. Voilà, je crois que Monsieur Mohamed Ba aussi ne m'entend pas. Je ne sais pas si Monsieur Ba m'entend. Son micro est ouvert. Ou bien M. Ba est occupé. Attendez, je vais voir M. Ba. Allô, M. Ba, vous m'entendez? Ok, le micro était fermé. Merci bien. Ah, voilà, c'était... Ok, d'accord. Parce que ce n'était pas fermé de mon côté, là. J'étais vide à l'occuper. Alors, comment allez-vous? Le débat est intéressant. Pourquoi M. Ba, l'UFDG, a choisi la politique de la chaise vide cette fois-ci, mon frère? Pourquoi?
Oui, avant cela, j'aimerais avoir les contacts, je pense, M. Condé du Canada. M. Condé du Canada, oui, d'accord. J'ai un jeune frère que je vais amener à l'école là-bas. J'aimerais des informations. Je dis bonsoir à tout le monde. Mm-hmm. Et c'est encore la même lutte. Mm-hmm. Et M. Lowe, il est très facile, je l'ai dit la fois dernière, de juger et d'amener des critiques envers les gens. Mm-hmm. Mais nous, même nous qui sommes là, on ne sait pas de quoi nous voulons. Mm-hmm. Si vous vous souvenez, on a eu cette discussion la semaine dernière. Mm-hmm. Même vous, vous avez dit que de l'IFDG de ne pas accepter d'aller à une reprise. Mm-hmm. Et qu'est-ce que réellement IFDG peut faire si le pouvoir continue à agir ainsi? Réellement. On a vu, Selou Dalin a été confiné chez lui-même, de ne pas sortir pendant combien de jours? Mm-hmm. Chez lui-même, à sa domicile. Après, on est parti lancer des gaz lacrymogènes dans sa maison. Nous faisons semblant de ne pas connaître les réalités de la Guinée. Nous, la diaspora ici, nous faisons beaucoup de jugements. Vous voulez nous dire là maintenant, c'est la force que le pouvoir est en train d'appliquer. C'est tout. Le pouvoir. Je vous ai dit que Matoto était un cas parmi tant d'autres. Mm-hmm. Qu'est-ce que le parti de face Minimono a subi à la forêt? Nous avons tous vu. Voilà. Donc, ce que je vais faire comprendre aux auditeurs, ce que M. Ba vient de mentionner, c'est vrai, ils sont en train d'utiliser la force parce que c'est eux qui se trouvent au pouvoir, mais pas dans le cas de Matoto seulement, hein, M. Ba. C'est partout, hein, à Kanka. C'est un cas parmi tant d'autres. En Haute-Guinée aujourd'hui, c'est le RPG qui est là-bas. Mm-hmm. Mais la base ne veut pas ce que le RPG, les cadres du RPG veulent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas installé les maires. Hein? Tout simplement parce que la base du RPG, la personne dont ils veulent, les cadres du RPG ne veulent pas ça. C'est un forcing qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est au niveau de leur fief. Mais si vous voulez que les gens réellement se lèvent contre l'État, il faut mettre les armes à la main de ces Guinéens. Sinon, qui peut s'arrêter devant l'État? Il y a la justice. Il y a la justice de la CEDEAO. Monsieur Bazé, vous avez parlé ici près de combien de temps? Je ne vous ai pas interrompu. Excuse-moi. Bon, ok. Vous êtes là, vous dites tout, mais vous participez dans quoi pour l'émancipation de la démocratie en Guinée? Nous qui sommes à la diaspora ici, nous avons fait l'élection du Haut Conseil des Guinéens à l'étranger. Vous avez vu ce qui s'est passé? On n'a même pas pu élire un vrai bureau. Mais nous voulons donner des leçons à tout le monde. Chez nous-mêmes ici, on est incapable d'élire notre Haut Conseil. Qu'est-ce qu'on a fait à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Hein? On est parti jusqu'en Guinée se faire honnir là-bas. Monsieur Léo, vous avez donné l'exemple du Ghana. Oui, oui. Les plus vagabonds de l'Afrique étaient les Ghanais. Oui, tout à fait. Mais ils ont eu des chefs. Dieu les a donné Jerry Rawlings. Mm-hmm. Par deux fois, il est venu à redresser le Ghana pour que le Ghana soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons eu de mauvais chefs il y a 50 ans. Est-ce que vous voyez? Le Ghana, Jerry Rawlings s'est basé sur la diaspora pour redresser le Ghana. Et jusqu'à présent, c'est la diaspora qui vient, les intellectuels qui viennent de la diaspora pour donner, mettre leur expertise. Le président actuel là, il était là au Rayon, il a vécu. Ah oui? Oui. Il était là. Quand nous étions partis, on avait tenu une conférence là, dans les années, je pense, 2012, pour les Africains. Il était là en ce moment. Il était là. Est-ce que vous comprenez? Il a participé. Il était
parmi des autres. Ça s'est fait à Washington, là-bas. C'est que je veux dire. Monsieur Léo, il faut que les citoyens guinéens comprennent que seule la diaspora pourra le faire sortir de ce problème-là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je vous ai donné l'exemple du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Oui. Nous ne sommes pas un exemple en Guinée, nous, la diaspora. Je sais. Il y a combien de cadres aujourd'hui parmi cette administration qui vient de la diaspora? Oui, c'est qu'il n'y a pas une politique comme ceux qui sont en train de faire au Ghana. Il faut mettre une politique en place. C'est petit à petit. Moi, aujourd'hui, la seule solution... Monsieur Ba, vous savez, on a un problème en Guinée. Dès que quelqu'un parle du bon français, on le prend pour un intellectuel. C'est ce que Tanti du secondaire est en train de nous dire la fois dernière. Mais c'est pas notre faute. Vous et moi, on a grandi dans ça. Quand un tonton vient, il vient de la France, il parle bien français, on lui dit, ah, c'est ton tonton, c'est un intellectuel, hein? Il parle bien le français. C'est ce qui nous fatigue jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que c'est devenu quelque chose, une porte de sortie pour les intérêts. Il va, il apprend à parler le français seulement, on lui colle un bureau et puis c'est fini, sachant qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas produire de résultats. Il ne connaît rien. Monsieur Léo, de votre exemple sur nos radios ici, il y a un de nos confrères, on discutait entre nous. Il me traite d'illettré parce que je parlais un mauvais français. Pour lui, si tu ne parles pas un bon français, tu n'es pas intellectuel. Voilà, c'est ça la mentalité. C'est pour ça que la Guinée est en retard. Quand tu viens... Mais voici là où nous sommes aujourd'hui, Monsieur Léo. Mm-hmm. Je vais me répéter. Mm-hmm. La population guinéenne a démissionné. Si vous prenez l'âge des pères de l'indépendance, mm-hmm. l'âge qu'il avait... quand ils ont lutté pour l'indépendance de la Guinée, vous saurez que eux, ils étaient jeunes, très jeunes, quand ils ont commencé pour lutter pour la Guinée. Mais aujourd'hui, la jeunesse est assise, ils veulent que les vieilles personnes font leur avenir. Prenons la dame que j'aime beaucoup, la dame Domani. J'étais très content quand elle a déclaré qu'elle était indépendante. Mais la semaine dernière, à l'interview, elle dit qu'elle est RPGiste. Non, mais ça, c'est des gens qui roulent avec l'argent. C'est une jeune dame, très calée pour moi, qui a l'avenir. Elle parle bien le français. C'est ça. Voilà, maintenant, c'est ce qui nous trompe. Elle parle correctement bien le français. Faites la différence. L'éducation, là, elle a reçu à la maison. C'est comme ça qu'elle a grandi. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire l'affaire de... c'est-à-dire qu'elle peut gérer même un département. Non. Voici ce qu'il y a. Voici ce qu'il y a, Monsieur Lowe. Mm-hmm. On ne peut pas discuter aujourd'hui. Si vous prenez les jeunes dames qui se sont intéressées à la politique en Guinée, si elle n'est pas première, elle est deuxième. Est-ce que vous comprenez? Qui font de la politique sur le terrain. Parce que la politique aussi, c'est sur le terrain. Mais si, en tant que jeune personne, aujourd'hui, elle saute comme indépendante, demain, elle est du RPG, après demain, tu ne peux pas comprendre par où aller. C'est que nous tous, Guinéens, aujourd'hui, nous sommes tellement confus, on ne sait même plus de quoi faire. Pour moi, ma solution aujourd'hui, c'est une seule chose. Je sais que vous allez encore crier sur moi. C'est un coup d'État. Mais là aussi, vous les militaires, vous avez tous des jupons. Vous ne pouvez faire un coup d'État que sur un mort. Sinon, c'est ce que les militaires sont là, ils sont là pour cela. Quand il y a un pagaille comme ça dans un pays, c'est leur boulot de mettre de l'ordre. Ils ont enlevé tous les officiers là, ils sont tous ambassadeurs là. Avant qu'on enlevait les officiers, ils étaient là, quand la pagaille là se tenait. Nous avons vu votre temps aussi, la pagaille que Conte a tenue là-bas, vous étiez là-bas, personne n'a fait rien. Le monsieur là même, des fois, il partait dans des crises. Qui aujourd'hui pour libérer la Guinée?
Parce que si vous prenons Faya Milimono, son parti, il veut faire la politique différemment. Mais quand on est parti à Matoto pour les réélections, son parti était présent. Il a eu un représentant là-bas pour à Matoto, étant donné qu'il est de l'opposition. Mais elle a voté blanc, elle a voté bulletin nul. Si elle a voté bulletin nul, comment est-ce qu'elle a été déléguée? Il fallait être présente pour voter nul. C'est que aujourd'hui en Guinée, je vous assure, personne ne sait exactement c'est quoi la réponse. Mm-hmm. Nous sommes tous confus. La réponse c'est quoi? C'est ce que j'ai dit à Abidjalo tout à l'heure. La réponse c'est quoi? Si nous voulons récupérer ce pays-là en 2020, c'est pas celui qui pourra le faire, c'est pas Sidia qui pourra. Parce que ces gens-là, ils sont, comme vous l'avez dit, c'est des politiciens. Ils sont avec Alpha. Ils sont dans la... Non, ils ne sont pas avec Alpha. Attendez. Dans le cadre de la récupération du pays, si le peuple en a marre, la jeunesse là, c'est qui veut faire sortir ce pays-là dans cette crise, ils n'ont pas besoin de cette classe politique-là. J'ai dit ça il y a au moins 3 ans de cela. Ils n'en ont pas besoin. Par exemple, mon cher frère Baldé de l'Allemagne, il a dit qu'il faut se référer aux lois du pays. Je suis tout à fait d'accord avec lui, 1000%. Quelle loi? Hein? Mais les lois, on a vu ce que le procureur a dit sur Matoto. Est-ce que le pouvoir a attendu? Non. Ils ont continué sur leur chemin. Le monsieur qui a été pris, qui est venu bafouer les élections, on l'a pris, on l'a mis dans la main de la justice. Il est où? Bon, c'est pour cette raison, vous devez comprendre, on ne demande pas aux gens de ne pas militer dans leur parti. Militer dans vos partis, nous nous battons pour la démocratie, mais sachez que la Guinée vient d'abord en première position. Si nous quittons derrière nos partis, maintenant là, nous venons ensemble dans un mouvement pour venir contrecarrer ce système-là, on pourra faire la fête. Mais tant qu'on ne peut pas faire cette lutte-là... Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Moi, je suis dans l'UFDG, et l'autre est dans le RPG, l'autre, et puis on veut faire une lutte en étant dans nos partis politiques. Ça ne marchera pas, mon frère. Monsieur Bangoura, moi, je crois que ce que nous sommes tentés, parce qu'on a trop parlé, ça fait 7 ans que nous parlons, cette radio-là, 7 ans maintenant, 7 ans que nous parlons. Personne, nous voyons la vérité, nous refusons de la reconnaître. Tant que nous ne quittons pas dans nos esprits là, ce que nous cachons là, nous venons ici, nous cachons derrière quelque chose, il y a quelque chose qui est caché. Tant que nous ne sortons pas dans ça, on se dit, écoutez, c'est là vous vous trompez. Vous vous trompez, ça c'est très joli. Attends. L'exemple que vous prenez, c'est que Touré était jeune. Ces foulées étaient jeunes. Mais ça, c'était leur époque, ça. Vous ne pouvez pas comparer cette époque-là et nous à notre époque. Pas les époques que j'ai comparées. On ne peut pas comparer les époques. Maintenant, là, les données sont différentes. C'est différent, complètement différent. Vous pouvez me dire que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas capable de se lever? Non, la jeunesse d'aujourd'hui est corrompue. La jeunesse d'aujourd'hui est instrumentalisée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller à cette mobilisation dont vous appelez si la jeunesse est corrompue? Voilà, c'est parce que cet appel-là, il faut l'acheter à la jeunesse. Monsieur Bangoura, de changer leur comportement. Vous savez, on a besoin de quoi? On a besoin d'un leadership au niveau de cette jeunesse-là. Le leader que vous cherchez là, Monsieur Léo, vous allez devant votre miroir, vous regardez le leader. C'est vous-même ce leader. C'est moi ce leader. Nous voulons un Messie, un Messie pour qu'il vienne libérer la Guinée. Hein? Nous avons vu quand on a augmenté le prix du carburant, les sociétés qu'on colle des sociétés civiles, ils ont pu faire quoi?
Et vous, c'est que c'est très facile de dire les partis politiques ceci, mais vous avez vu les partis qui sont ceux qui se disent société civile. Voilà. Monsieur Ba, reste dans le débat. On va prendre Madame Ba. On va écouter Madame Ba rapidement avant de changer le sujet. Nous sommes à 45 minutes de la fin, puisque nous sommes à Alassane Traoré qui nous a envoyé un message de Facebook, Facebook Live. On va lire ce message-là tout à l'heure. On va le faire participer au débat, puisqu'on nous suit sur Facebook Live. Et puis, on rediffuse l'émission tous les dimanches sur Facebook Live pour nos auditeurs de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. C'est très intéressant. Et puis, voilà. Les gens nous écoutent tous les dimanches, après nos émissions de samedi, quoi, ceux qui n'ont pas la chance de participer live quoi, aujourd'hui. Mais moi, je suis d'accord, M. Ba, merci à vous, je suis d'accord. Le cas de Matoto, où le gouvernement va toujours utiliser la force, mais vous avez pris l'exemple la fois d'Ernest ou Blaise Compaoré, il était puissant, mais qui lui a cherché du pouvoir? La France ne pouvait rien faire pour réimposer Blaise et nos compagnons. Donc, mais cela ne s'est pas fait. La seule erreur que le ballet citoyen a faite, c'était après avoir reçu leur mouvement contre Blaise Compaoré, c'est-à-dire les puissances ont pu encore influencer le mouvement pour repasser, redonner le pouvoir au même système. C'est ça, il faut faire beaucoup attention. J'ai dit ça une fois à la radio continentale, on ne veut pas faire comme le Burkina. C'est-à-dire si on veut changer, on change. Si on se bat pour redonner le pouvoir à cette classe politique, moi je ne suis pas dedans. Je l'ai dit, même le ballet citoyen, je l'ai redit, quand on était dans le mouvement, je ne me bats pas. Est-ce qu'il y avait une loi qui empêchait les 14 conseillers de l'IFDG d'accéder à la salle? Est-ce qu'il y avait une loi qui les empêchait d'aller? Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui les empêchait. C'est une décision du parti. Parce que l'argument de M. Baldé, c'est que la force, mais vu qu'il n'y a aucune loi qui pouvait les empêcher, les 14 pouvaient aller. Quand ils comptent les votes, ils déchirent les bulletins et puis on va encore reprendre. C'est-à-dire que les 14 pouvaient se présenter dans la salle. Et quand ils voient que ce n'est pas à leur faveur, ils sèment la pagaille. Moi, je pense que l'UFDG, le problème, c'est que... Monsieur Condé, moi, je crois que... Nous étions tous, nous sommes tous pour Kalemandou, on sait qu'on a vu les vidéos, il y avait des preuves, Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Ouais, ça c'est l'allemand ça c'est M. Baldé ça, mets-toi. Il faut prendre M. Baldé veut partir là, il faut le prendre vite, il a sauvé. On a vu tout ça là. Mais vous croyez que Alpha Condé va perdre toutes les communes de Conakry? Oui. Je vous ai dit, si vous reprenez les élections, il va gagner haut la main. J'ai son discours ici, oui. Je vais vous mettre ici. Il a dit aux gens de RPG que il n'a jamais perdu à Matoto. Il a même dit le nombre de personnes qu'il avait gagné en 2010 à Matoto, avant même les élections, après les élections. C'est-à-dire, et qu'aujourd'hui, il les avait dit de tendre la main à tout le monde, parce que lui-même, il était convaincu que Tos Kamara n'était pas un bon candidat. J'ai l'audio ici. Il parlait à ses militants. Mais il dit, mais maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé à Matoto. Alors, il y a tout ça, là, il y a toutes ces preuves-là. Je ne sais pas, l'UFDG devait se baser sur toutes ces preuves-là. Dire, écoutez, le président lui-même, il doute. Il a des doutes par rapport à ces élections-là. Il avait même pensé... De toutes les façons, voilà, je ne sais pas, quand on dit maintenant que c'est le peuple qui a la solution, évidemment, c'est Bangoura, il y a cette solution-là, oui. Mais M. Bangoura, ce que je voulais expliquer,
on peut faire comme les IFDJ le font depuis 2010. Dit que ce gouvernement est là, on peut rien, on peut rien, on peut rien. On peut le dire, on peut tomber dans cette fatalité. OK? Or, nous avons vu qu'à certains moments, lorsque Selou a dit on manifeste contre Waymark, on a manifesté contre Waymark, les gens ont manifesté contre Waymark, il y a eu une pression énorme, et beaucoup de personnes ont été tuées, et en fin de compte, Alpha Condé a eu peur et il a négocié. Et quand il a négocié avec Selou et Selou a maintenu Waymark. OK? Donc, ce qui veut dire qu'à un certain moment, il faudrait que ces militants de l'IFTG sachent que leurs militants dans la rue, ils ont depuis 2010, depuis même 2009, depuis Dadis, ils ont toujours eu à manifester. Et en fin de compte, c'est Selou sur le tapis vert qui a eu à les faire perdre. Il faut qu'ils se le disent. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant tous ces trucs, encore une fois, je suis juriste. Donc, je voudrais bien, à un certain moment, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Depuis 2010, on essaie d'expliquer, 2010-2011, on essaie d'expliquer aux gars de l'IFDG qu'il y a bien sûr des mobilisations et autres, mais qu'il y a d'autres instruments qu'un parti politique devrait s'approprier pour pouvoir gagner. Et l'un de ces instruments, c'est la justice. Bien évidemment, la justice de notre pays, elle est corrompue, elle est à la ligne. Mais encore une fois, Dieu merci, il y a des justices supranationales qui ne demandent pas à l'épuisement des recours internes que le gouvernement aurait pu bloquer. Je vous ai même donné l'exemple de deux personnes, de Ibrahima Sori Touré et l'autre camarade de BCRG, BCGRO, de BCRG ou autre, qui ont réussi à faire le but. Mais l'IFDJ, que ce soit ses cadres de l'intérieur ou bien ses militants et tout le monde, ils n'arrivent pas à comprendre, à intérioriser ça dans leur logiciel. Presque tous les problèmes qui sont en Guinée, que ce soit violation des droits de l'homme ou bien les problèmes d'élection, lorsque ces problèmes d'élection ont été matérialisés dans la constitution entre guillemets de la CEDEAO, c'est-à-dire le protocole d'accord, on peut porter plainte devant la cour de la CEDEAO. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection communale jusque tout dernièrement, la Guinée pouvait être condamnée. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de mois autres, la Guinée pouvait être condamnée. Le fait qu'on n'a pas un fichier transparent, puisque c'est dans le protocole d'accord de la CEDEAO, la Guinée peut être condamnée. Il y a beaucoup d'instruments et ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas des mois. Si ça coûte de l'argent, bien sûr, mais pour les avocats et autres, mais ça ne coûte pas des mois et autres. Mais l'IFDG refuse systématiquement de suivre cette voie. OK? D'accord. Reste dans le débat. On va finir avec les auditeurs et puis on reviendra sur vous tout à l'heure. Vous allez finir votre commentaire sur le plan juridique. Vous allez nous donner des... Je finis rapidement. Je finis rapidement. Par exemple, concernant ces élections-là, ces reprises, les 14 membres de l'IFDG, conseil de l'IFDG, pouvaient rentrer dans la salle. Personne n'allait les empêcher. Et une fois dans la salle, ils pouvaient créer la même pagaille à l'intérieur qu'il n'y ait pas d'élection. Comme ce que le FPJ a le fait. Certainement, quand vous êtes devant des voyous, agissez aussi à un certain moment comme des voyous. Tout à fait. Pour certains cas, et il n'y aurait pas eu d'élection. Mais non, au fond du bruit, c'est le va se cacher, je ne sais pas où, à ce point de lui donner une manette d'argent. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Il devrait participer. Les élections, on va voir ce qui allait se passer après. On allait continuer à reprendre les élections jusqu'à... À l'intérieur, ils empêchent la tenue de l'élection à l'intérieur de la salle. Tout à fait. Je suis d'accord. Ça, c'était une solution. Je suis d'accord. Mais... puisqu'on avait demandé ici la semaine dernière d'abord aller même chercher à imposer, à installer leur maire. Kalimodou Yassane, ils allaient... Ils devaient le faire depuis très longtemps. Ils devaient installer leur maire depuis très longtemps. Nous avons gagné et tiré la sonnette d'alarme. On va partir du côté de New York, prendre Abaka Camara rapidement. Nous sommes presque vers la fin. Abaka Camara, bonsoir. Bonjour, M. Yandia. Comment allez-vous? Je pense que vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends. Ok, M. Yandia, je veux intervenir sur la charge de Matoto. Allez-y, vous avez l'antenne. Voilà, M. Yandia, je vous ai dit toujours ici, vous vous rappelez. Je dis que l'élection de Matoto, il n'y a pas encore un gagnant. Et nous avons compris le jeudi qu'il y a eu un gagnant. C'est M. Tosh Camara. Je le félicite. Et je suis très content de son élection. Je le félicite.
Je suis le bon Dieu pour faire être tous les Guinéens, comme il l'a dit. Si aujourd'hui, les gens sont sur la police, la gendarmerie, entourer la main de ma tête, moi je crois que c'est bien normal. Vous avez dit, je vais vous poser une question. Je vais vous permettre, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-moi, peut-être que je n'ai pas compris le sens. Pré-voter, nous allons pré-voter, c'est quoi? Quelle est la question encore? Oui, on va pré-voter. Qu'est-ce qu'on veut dire là? On va pré-voter l'élection. Qu'est-ce qu'on veut dire? On va rejeter les élections. Rejeter, non. C'est pas le mot même, hein, est plus grand que ça. Non seulement rejeter, mais semer de la panique. Le gouvernement pouvait s'asseoir, venir sur son mari, sans que le temps ne soit empiré, à cause de l'humeur. Moi, je crois que le gouvernement, sur ces deux-là, de faire empirer par la police, la gendarmerie et le militaire. C'est un deux-là. S'il y a eu des vols là-bas, la négociation, là, on a dit, on allait dire Alpha Condé à tuer les gens. Heureusement, nous prions Dieu, ça s'est passé dans le calme. Moi, on dit l'élection là, c'était simple. 34 personnes qui doivent voter. On dit que le gagnant qui a gagné. Les gens là, ils ne sont pas morts, ils sont pleins là-bas, sur place. Il y a eu un dégât. Il faut le prendre. On convoque tout le monde. Si tu as confiance à ton électeur, il faut aller. Mais même voté pour toi. Les mêmes gens là vont voter pour toi devant tout le monde. Et si tu ne l'as pas fait, c'est que ce que la magie organisée. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il passe. Aujourd'hui, tous sont là-bas comme maire. Celui qui veut tirer, celui qui ne veut pas, si tu es là, il n'y a pas un problème. Nous ici, nous qui sommes à l'extérieur. Si tu es en train de commander le pays qui t'arrange, va tu sors de le pays jusqu'à ce que tu finisses son mandat, tu vois. Parce que c'est ton pays aussi. Mais quand tu es là-bas, il doit te commander. Tu es le droit le plus absolu. Nous sommes en train d'observer. Et je le dis et je le répète, je le toujours dit. En Guinée, ce n'est pas un groupe qui va élire un président de la République. Il faut embrasser tout le monde. Ce n'est pas le parole, hein, c'est le fait. On a toujours dit, là, le jugement de ceux qui font et ceux qui disent. S'il y a contradiction entre ces deux, on ne juge pas le fait. Nous sommes en train d'observer. Les gens croient que c'est un groupe qui va élire un président de la République, en Guinée. C'est le tonnerre. On est là, on observe, nous sommes en train de voir. Nous parlons de 2020. Nous tous nous comptons sur cette population de la Guinée qui ne m'appartient pas, ni à Bangla, ni à un autre. Mais c'est les Guinéens qui vont se déterminer. Et c'est ce que nous tous nous attendons. Les Guinéens vont se déterminer. Mais les gens pensent que ça peut bien dire que la population guinéenne va se lever contre pour élire la Guinée. Non! C'est pas une groupe! Il n'y a pas ce qu'on n'a pas la population du monde, mais ne pousse pas. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas bien les militaires qui regardent les chefs. Ce que vous pointez, ça ne va pas se faire en Guinée. Je le dis et je le répète. D'accord. La population du monde va se déterminer en 2020 et nous allons tous voir ce qui va se passer. Pour le moment, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Ce qui est clair, ne se passe pas comme maire de la Toma, de Matoto. Ce qui est là devant nous, ça a été proclamé. C'est ce que nous, on attendait. Mais là, il y a un gagnant. Celui qui tourne le contraire, c'est lui de me faire ce que tu veux. Je vous remercie, M. Wanga. Je suis à l'écoute. Vous savez que les gens viennent me tout suivre ma tête. Pour moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Si quelqu'un m'attaque directement, il faut ouvrir mon micro, je vais le répondre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous êtes à la radio de la contradiction. Tonton, voilà. Le maire de Matoto. Merci à vous, monsieur camarade de New York. Alors, Bangura. Supporte. Ouais, M. Moustapha Touré, Madame Ba, je ne vous ai pas entendu. Moustapha Touré, voilà, c'est à vous l'antenne, Dino, de dire votre mot sur le cas de Matoto rapidement. Comme vous venez d'entendre M. Aboubakar Camara, qui supporte la candidature, l'élection de M. Tos Camara. C'est comme ça se passe. M. Moustapha Touré, bonsoir. Yeah, Bangura, bonsoir, ça va? Ouais, ça va, mon frère. Ah bon, l'élection de Matoto, bon, moi je savais que si la reprise est faite, que le RPG va reprendre. Mais néanmoins, l'UFDG devrait aller dans la salle. Et quand ils voient que la victoire n'est pas de leur côté aussi, ils devraient empêcher.
Et là, maintenant, ça allait être rejeté et on allait voir avant ça, pour une troisième, maintenant, chacun allait mieux se préparer. Mais j'ai une sorte de... Tshikonde a dit que Kalemondou voulait convaincre les 14 autres pour aller participer ou saboter les élections. Non, le problème est réel. Quand tu écoutes la conseillère élue de BL, parce que moi, je l'ai écoutée sur les grandes gueules, elle est partie. Mm-hmm. Elle dit que le communiqué de l'UFDG était de se rendre là-bas, aller procéder à l'élection de l'exécutif, c'est-à-dire vice-président et les autres membres. Mais pour eux, pour le maire, ils ont déjà fait l'élection. C'était leur communiqué, ça, de se rendre là-bas. Parce qu'elle, jusqu'à le matin, avant de partir, elle a appelé une conseillère de l'UFDG pour la demander. Elle a dit que oui, que c'est le communiqué là qui reste, qu'elle n'a rien attendu encore. Donc, ils se sont donné rendez-vous. Elle s'est rendue. Et elle était dans la salle. On l'a demandé, il y avait combien de personnes. Elle a dit qu'il y avait 21 personnes dans la salle et qu'il y avait 10 procurations. On l'a demandé si elle avait voté. Elle dit pour le maire, elle a voté blanc, mais le reste, elle a voté. Et on l'a demandé, tu penses que le maire là est vraiment le maire? Elle dit oui, que parce que l'élection s'est passée dans les noms. C'est ce que la conseillère de BL a dit. Elle a dit ça sur la grande gueule devant tout le monde. J'ai un petit problème. Les élections par procuration, comment ça se passe? C'est les gens qui ont. C'est ça, les accords d'accord d'eux. Ils ont accepté tout ça, Bangoura. C'est ça le problème. Ouais, c'est là-bas, ils ont fait des fautes, ils ont accepté. Les accords-là qui nous ont foutus dans tous ces problèmes-là. Non, c'est la loi. Ils devraient. La loi sur la scène que l'UFDG et l'UFDG ont proposé. Un Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Ouais, ça. Alors? C'est l'allemand, on ne comprend pas l'allemand là. C'est basé oui, ça. Donc, c'est ça. Ils devraient se rendre et jusqu'à contraire, leur communiqué, ils n'ont pas changé. Et quoi, ils se sont retrouvés chez Kalemondou. Je suis d'accord avec toi, ils devraient se rendre, même si c'est ouais, pour aller empêcher, quand ils voient que le vote n'est pas de leur faveur, ils se mettent la pagaille là-bas pour annuler. Mais quand tu ne vas pas, c'est comme un match de football, le forfait. Il n'y a pas de problème. Donc, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est nulle part, il est à Dakar ici, tout près. Il est à Dakar. C'est comme si les militants... Il s'est caché. Non, il est à Dakar. Les militants, au lieu d'aller... Ils ont l'habitude d'aller directement, mais ils se sont rendus chez Kalemondou. Tous. Il y avait des injures là-bas, comme quoi Kalemondou n'a qu'à leur donner l'ordre d'aller empêcher. Et qu'est-ce qu'on voulait mettre sur la tête de Kalemondou en ce moment? Mais il a été très intelligent. Il a dit non. Nous restons ici, on ne va pas là-bas. Et ça criait, il faut qu'il dise oui, je vous demande d'aller empêcher. Et là, tout ce qui allait se passer maintenant, Kalemondou allait prendre les pots cassés. Voyez-vous? Mm-hmm. Et celui, il est couché à Dakar, Gawal qui est turbulent, et on ne l'a pas attendu en mobilisant les gens de se rendre là-bas. Il a complètement disparu dans la circulation. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et Kalemondou n'a pas voulu endosser la responsabilité. Ce qui m'étonne maintenant, pourquoi nous sommes arrivés de février en février? Vous avez signé un accord en disant que les recours s'arrêtent aux tribunaux qui vont superviser. Et quand il y a un contentieux, il faut venir devant les mêmes tribunaux là. Quand ils finissent de trancher, il n'y a plus de recours. L'élection finit, la CENI donne les résultats. Celui du non, je m'en fous de la CENI. La justice, les juges là, ils disent qu'ils s'en foutent d'eux. On dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit le président n'a qu'à trouver une solution politique. La solution politique, c'est ça qui nous a amené jusqu'à maintenant là. Mais pourquoi ils veulent aller faire recours encore à la justice? Et c'est ce que vous avez refusé, qu'on s'en fout de la justice. Le président n'a qu'à chercher une solution politique.
C'est la solution politique là qui nous a amené jusqu'à un an. Quand les gens viennent dire, ouais, l'élection est faite depuis février et jusqu'à février, mais ceux-là disent, ils s'en foutent de la justice. Tout le monde l'a attendu, ils s'en foutent de la CENI. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président n'a qu'à trouver une solution politique. Sinon, je vais faire descendre les gens dans la rue. Quand le président ne voulait pas qu'il fasse descendre les gens dans la rue, et il a mis un comité, la solution politique là, c'est ce qu'on suit là maintenant. C'est vraiment dommage. Mais ils ont eu tort de ne pas se rendre là-bas, aller empêcher aussi, à leur tour. Voilà, parce que ce n'est que les conseillers qui étaient permis de rentrer dans la salle. Dans la salle. Ouais, mais ils ne l'ont pas fait, il est resté. Gawal qui est turbulent, on ne l'a pas attendu. Lui, on l'a pas attendu. On voulait que Kalemoudou prenne une responsabilité. Et le communiqué ne disait pas ça. Si vous écoutez la conseillère des blocs libéraux, sinon elle n'allait pas se rendre là-bas. Voyez-vous? Donc, elle a dit que l'élection s'est passée dans les normes. Et de ce fait, et puis tout ça, c'est loin. Vous savez, je vais vous donner un exemple encore, Bangoura. Celui est très dangereux. C'est-à-dire, il est formé avec la trahison permanente, ce monsieur-là. C'est comme le problème de la CENI, Bangoura. Il s'est bien attendu avec Sidia, tout et tout, Cobra Kone l'a dit. Ils vont avoir 4, l'UFR va avoir 2. Et c'est le pour faire plaisir à Bayo. Il sait que Bayo n'est nullement qualifié. Il met Bayo à la 5e position. Et d'abord, Bayo est un leader de parti qui ne sont pas qualifiés à la CENI. De deux, il ne s'est présenté ni à l'élection présidentielle ni aux législatives. Il n'a accompagné aucun parti, ni à la présidentielle ni aux législatives. Il le met à la 5e position, tout simplement pour montrer à Bayo, je voulais t'aider. Mais ça n'a pas marché parce que ce monsieur l'a aidé à dicter, il lui a donné son conseiller. Il le met à la 5e place et ils envoient la liste. Le ministre voit ça, on sait qu'il n'est pas qualifié. S'il y a envoyé 2 qualifiés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever celui qui n'est pas qualifié, prendre les 2 qualifiés, on ne va pas dire, ah non, lui n'est pas qualifié, on va remplacer. Donc les gens font bruit, on dit, bon, ok, on prend 4. Or qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. La 5e D'accord. personne qui a été enlevée, c'est vrai, dit Bayo, il n'était pas qualifié. Merci à vous, M. Touré. Je vais vous faire écouter l'audio de M. Sidia Touré tout à l'heure. Avant de fermer cette émission, nous allons faire une dernière admise pour 10 minutes. Avant de vous quitter, vous allez écouter Monsieur Lowe, avant cela, il y a une désinformation que M. Touré vient de faire. Oui, rapidement, 30 secondes. Ouais, quelle information? Il a affirmé que la déléguée de parti de Faya Milimono a déclaré que l'élection du maire était OK. Elle ne l'a pas dit. On l'a demandé. Non. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. Laisse M. Ba nous confirmer ça. Voilà. Allez-y, M. Ba. Quand on a demandé à Mme Ba, est-ce qu'elle reconnaît le maire? Elle dit que ce n'est pas à sa place de reconnaître le maire. Ce sont les lois du pays qui le feront. C'est ce qu'elle a dit. Non. Elle dit que l'élection s'est passée dans les normes. Oui. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Il faut chercher les grandes gueules. Là. Moi, j'ai l'audio avec moi. D'accord. On a tous écouté ça live. C'est pas il désinforme. On va chercher l'audio. On va réécouter. Je vais vous l'amener demain. D'accord. Envoyez-moi l'audio. J'ai tout le show. Non, tu peux trouver. Va sur les grandes gueules sur le site. C'était le cas le vendredi matin. C'est Kadia Touba. C'est quoi même le nom de la dame? Je pense que c'est Kadia Touba. Ouais, Kadia Diallo, je crois. C'est Kadia Toussante. Mais elle a dit que c'est les lois du pays qui ont dit le maire. Non, on a dit que tu reconnais le maire. Elle dit oui, parce que c'est passé dans les normes. C'est ce qu'elle a Peut-être dit. Peut-être qu'il y a d'autres aussi qui ont écouté le même interview. Ah, M. Ba, j'ai bien et bel écouté. Très Moi, bien. J'ai le... Okay. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver l'audio, la partie là où Mme Diallo ou Mme Ba a reconnu que les élections se sont très bien passées. Là où elle... Passe tout le ciel, tu vas retrouver Bangoura.
problème. Mais moi, je vous prie d'écouter M. Sidya Touré, le président de l'UFR, comment lui, il a pu et il a compris cette affaire de Matoto-là et comment l'UFR a géré cette affaire de Matoto. Vous comprendrez que... Sidya est l'épine... Attends, Moussava, moi, je crois que... Sidya est l'épine dans le pied de tous les partis en Guinée, la mouvance et l'opposition. C'est l'épine, ça. Mais ce que moi, je comprends, Moussava, Sidya Touré, le président de l'UFR, déjà a lancé... C'est-à-dire, lui, il est en campagne comme ça. Maintenant, lui... Le calcul de l'UFR, c'est quoi? C'est que leur adversaire politique, maintenant, à l'heure, là, en 2020, c'est Sello. En conséquence, il faudrait commencer les campagnes dès maintenant contre l'UFDG. C'est mon point de vue. Oui, mais c'est l'UFDG, parce que qui va élire Sidya si ce n'est pas les mêmes militants de l'UFDG? C'est un mauvais calcul. C'est ce que vous n'avez pas compris. En Guinée, nous ne sommes pas au Sénégal. Nous ne sommes pas dans un pays occidental. Non, nous sommes en Guinée. Nous vivons dans une situation très catastrophique actuellement. C'est pas comme Léo, ça. Que... Attends, je vais finir. Attends. C'est-à-dire, lui, à l'heure-là, son problème, c'est celui-là. Il faudrait commencer à se préparer contre l'UFDG parce qu'il y a contre l'UFDG en 2020. Mais ce qu'ils oublient, quand Ino Damaro est en train de parler de la non-modification de la Constitution, il a dit carrément, Damaro a dit carrément, il est là aux États-Unis, on va chercher à le prendre, que Alpha Condé n'a pas besoin de modifier la Constitution. Et cela doit être clair. Mais le pouvoir que Alpha Condé a, c'est de faire reprendre cette Constitution par une nouvelle Constitution. Oui, c'est vrai. Quelle pas la salle là, d'ici tes antennes ici. Attends. Qu'est-ce que ces loups et Sidya n'ont pas compris dans ça? C'est pour cette raison, moi, je ne suis pas avec des politiciens qui voient la vérité, qui refusent de la... Ça veut dire que Alpha Condé n'a pas besoin de parler de troisième mandat. Il a le pouvoir, la Constitution nous donne le pouvoir de faire remplacer la loi fondamentale par une nouvelle Constitution. Oui, Bamboula, je vais t'expliquer. Alpha ne sera pas de troisième mandat. Avec la nouvelle constitution, Bamboula. Je vais finir. Attends, je vais finir. Ça veut dire que ce que Damaro veut dire, en remplaçant cette nouvelle constitution par une nouvelle et une autre, tous les Guinéens, y compris Alpha Condé lui-même, a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Oui, il ne sera pas candidat. Moi, je te rassure. Même s'il n'est pas candidat, Je vais t'expliquer. Alpha ne fera pas de troisième mandat, mais il est probable qu'il ait glissement, que l'opposition est en train de lui donner l'occasion à l'heure. Là. Le fait d'aller dans la prorogation de l'Assemblée, c'est un très mauvais signe. Donc, Moussafa, ça va lui permettre d'avoir deux ans. Oui. Moussafa, politiquement, j'ai confiance à Damaro. Ce que Damaro dit là, vous minimisez. C'est ce non, qu'il c'est avait que moi je vais te dire. À l'installation des PA, des militaires, la militarisation de Bambéto et des trucs là, les gens ont négligé. C'est ce qui s'est passé. Ce qu'il est en train de dire là. Mais ça nous a échappé de mort. Ça fait 3 mois, on n'attend plus de mort. Tout le monde est content, Bangoura. Mais tout à fait. Mais non, c'est tout le monde je est content. Je sais, il n'y a pas les PA là, même à Matoto là, on allait compter des morts, tout le monde est content. Je suis d'accord. Ce que je vais t'expliquer, Alpha ne fera pas de troisième mandat. Ils vont lui donner également 2 ans de plus. Ça ne serait même pas la faute de quelqu'un. Mais ce que je vais te dire, pour le cas de Sidya sait que l'UFDG a les militants homologués. Ils ne changent pas. Ils n'iront pas autre côté. C'est pas la démocratie qu'ils cherchent. C'est ça, ils veulent. Ils veulent Selou, rien que Selou, comme les pro-Babo, où il n'y a rien. Donc, s'il y a ce que c'est le militant de Arc-en-Ciel qui peut, lui, l'élire à la présidence. Crois-moi, il ne faut même pas te blaguer. Les militants de l'UFDG sont homologués. Ce n'est pas une démocratie qu'eux font. Merci à vous. Voilà.
Ils parlent de démocratie, mais ils sont loin de démocratie. Donc, s'il y a celui qui va les lire, c'est les militants, c'est les mêmes militants de RPG arc-en-ciel. Il faut comprendre ça. Je vais vous faire écouter maintenant l'audio de M. Sidya Touré. Pardon, écoutez-le très bien. Très bien, puisqu'il s'est prononcé sur cette affaire de Matos-là avant de fermer cette émission. OK? Je vais... Okay. Je sais pas, Madame Ba, vous m'entendez maintenant? Monsieur Bangoura, je suis là. Oui, je vous entends. Voilà, d'accord. Madame Ba m'entend. Je vais vous faire jouer l'audio. Vous allez très bien écouter M. Sidya Touré. Après, Madame Ba va nous faire une dernière analyse avant de fermer cette émission. Mais écoutez très bien Sidya Touré. Très bien. Je voulais préparer le fichier, mais j'ai eu des problèmes. Mais je vais vous faire écouter directement Sidya Touré sur Facebook. Vous allez l'écouter et puis Madame Ba va nous faire une dernière analyse. Parce qu'il a été clair dans cette affaire-là de Matoto, mais aussi dans cette affaire de fichier électoral. OK? Donc, c'est parti. Je vais faire écouter Sidya. On va voir ce que M. Sidya, lui, il pense par rapport à cette affaire de Matoto. OK? Voilà, c'est parti là. 20 000 électeurs, l'un de vos quelques groupes. En bref, il ne verra. Là, il faut le faire pour vous faire un peu de quartier. Moi, je ne vais pas me fichier pour m'attendre. Je ne vais pas me fichier pour m'attendre. Je ne vais pas me fichier pour m'attendre. Au Katawara, ça va recenser. Non, non, non. On a rappelé Marie-Jean, à Maki, à Nira, à Touna, à Gimbama. Ah, Mili, à Tamouda. Ou bien, maman, à Tanarana. Ah, mon Tamoudi, à Bandé. Maman, la Rabandé, mon Sindé. Et maintenant, voilà, le voir. Donc, Tiran, la Ransama, au cours où Marco, Kayari, Ina. Député, c'est opposition comme à Bordeaux de pour voir la décision qu'on a verima. Soit mes fils, il y a un problème que j'entends partout concernant la CENI. Mais franchement, c'est un beau problème. Nous avons demandé de revoir le nombre de commissaires à la CENI. Cela a été des discussions longues. L'opposition s'est donné la main face à la mouvance. Et nous avons obtenu de ramener le nombre de 25 à 17. Et on a fait une répartition 7 pour la mouvance, 7 pour l'opposition. Chacun des groupes s'est retrouvé pour dire comment on va répartir ça. On s'est entendu dans les discussions entre nous, au groupe parlementaire, il y a trois groupes parlementaires ici, UFDG, FPG et UFR. On s'est entendu, on dit bon, maintenant qu'on est tous d'accord, on va voter la loi. On a voté la loi. Et il n'y a pas eu de commentaires. Lundi dernier, le ministre nous a demandé de désigner les noms des commissaires qu'on doit instruire pour la CENI. Chacun de nous savait ce qu'il y avait à faire. Il est désigné un commissaire et l'UFR 1 et le PDN 1. Non, 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 je suis que sinon ce n'est pas un problème pour moi. Si nous avons un l'UFDG à 5, ça veut dire que l'UFDG a 5 fois plus de députés à l'Assemblée nationale que nous. Non, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas 50 députés. Ils n'ont pas 40 députés même. Donc nous avons demandé à nos jeunes, et on a fait nous aussi un calcul mathématique, puisque c'est un calcul. Tout le monde peut faire une hypothèse et puis faire un calcul dessus. Il fallait faire un calcul. Et puis on leur a envoyé, on dit, bon, selon notre calcul mathématique qui est vrai, c'est 4, 2, 1.
Le RPG a réparti les commissaires entre les partis de sa mouvance, à Ousmane, ainsi de suite. Chez nous, un seul parti veut s'attribuer tout. Je dis que ce n'est pas une bonne mentalité pour aller de l'avant, parce que le problème est Nayare ou là où on a fait. Le ministre nous a écrit pour dire que si l'opposition ne s'entend pas, on nous donne 45 jours, peut-être qu'il y aura une CENI ici sans l'opposition. Parce qu'il n'est pas question que ce qui a été entendu avant, on vienne changer cela. Mais attendez, il faut qu'on s'entende bien. Nous ne changerons pas notre position par rapport à ça. Parce que de toute façon, on a parfaitement raison. Il paraît que UFDG Renoria parce que on t'a moins soutenir Matoto. Puis t'en soutenir Boké. Est-ce que t'en soutenir Malapuya? En plus, il fait dire une fois dans Rouma. Non, oui, fils, n'a rien. Là, il est RPG. Là, il est RPG. Mais à le mot, d'accord. Élection de Mouyane Matambe. Enfin, il y a. Mère Sakonabe. Oui, bon, ma mère Sakonabe. Bon, on a pas preuve, pas la fin, Mouyane B. B, dans Haïti, il y avait 245 bureaux de vote. On a des bureaux de vote dans la ville, 84 bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote. Oui, mais continent, on a dit, donc, on va le bouger. Mais là, on a un résultat. On a un frère, on a dit, madame Tangaba, parce qu'il y a preuve de Mouira. Allez, ma tante, on a preuve de Mouira. On a la maman, on a ma tante de Mouira, on a ma tante. Tant qu'on fait, on a dit, on a voté au bain. Donc il faut qu'on comprenne cela. Ça fera finir au parce qu'à Wayne, c'est Philippe, sinon c'est pas que c'est un problème à mon niveau, ça n'est pas un. Mais il faut comprendre que l'opposition est plurielle. Il n'y a pas une seule opposition. C'est pas possible. Il y a d'autres partis. Voilà, c'était M. Sidiya Touré, le président de l'UFR. Vous avez vu son intervention. On va fermer cette omission-là tout à l'heure dans 10 minutes. La taille ne nous permet plus. Mais je vais donner le soin à Mme Ba de nous faire une analyse par rapport à cette déclaration de Sidiya Touré. Quand je dis que c'est la campagne que ces deux-là veulent et nous sont en train de préparer entre l'UFR et l'UFDG pour 2020, c'est une très bonne idée, mais moi, je suis un tout petit peu... J'ai des problèmes avec une idée pareille, puisque sachant que la position de Alpha Condé est claire, il veut, et Alpha Condé veut un prolongement pour pouvoir réaliser certains de ses projets, alors en se consacrant sur l'UFDG maintenant, pour moi, ça sera une erreur. Hein. Que c'est pas assez bon, ça n'engage que moi. Alors, Madame Ba, bonjour. Monsieur Wangula, bonjour à vous. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vous remercie, hein, surtout l'audio de Sidiya, parce que je suis
suis tombée à un moment, bizarrement, je ne voulais pas parler, mais je suis tombée sur... je voulais plutôt poser des questions parce que je suis tombée à un moment où vous étiez en train de diaboliser, ou je vais dire s'acharner à Dame de Maïdoré. Dorée. C'était, je voulais poser la question à vous et M. Ba. Qu'est-ce que cette dame a fait vraiment de diabolique et qui va empêcher la Guinée de se développer si elle a les compétences? M. Bangoura, Sidia vient de le dire tout à l'heure. C'est Luda, elle n'était pas obligée de supporter Sidia Aboké. C'est pas parce que on n'est pas dans le même camp ou bien on n'a pas les mêmes intérêts politiques qu'on va passer que nous sommes les anges et les autres sont des diables. C'est le problème en Afrique. Ce qui devrait être diabolisé, M. Baye et vous, M. Bangoura, c'est quand on a entendu un député délinquant de la République qui sort sur une plateforme publique pour faire des pour rentrer dans la vie privée d'une personne et faire des s'accusant mentir parce que c'est un accuser quelqu'un tout simplement parce que la personne a essayé d'exprimer ses intérêts. C'est pas moi, c'est pas Ilia Souba qui vient parler de Matoto, mais ce n'est même pas vous, ce n'est pas lui, Monsieur Ba, c'est de Maniore. Elle est politique. Et quand elle viendra, elle ne va pas venir vous dire que son combat est nul. Elle ne va pas venir vous dire qu'elle est perdante. De toute façon, vous applaudissez les personnes que vous supportez. C'est de cette manière, vous allez applaudir aussi. Les autres aussi vont applaudir les leurs. La politique, ce n'est pas quelque chose, je vais dire, de angélique. Un plus n'est pas forcément... Sidia vient de le dire. C'est pour cela, moi, par exemple, si Sidia n'a pas supporté l'UFDG à Matoto, Sidia n'a jamais diabolisé que quand Selouda ne l'a pas supporté à Bouquet. Donc, c'est nous aussi, jusqu'à preuve du contraire, quand toutes les sorties ont été faites, je n'ai jamais entendu un audio, à part les délinquants, hein, ce sont les délinquants seulement qui vont essayer de dire oui, blablabla, je n'ai jamais entendu. Et c'est nous, et Kalemodou, diaboliser la sortie de Domani ou de diaboliser le choix de l'UFR, à part ce délinquant de député. Parce qu'ils savent que c'est normal, c'est la guerre des intérêts. On ne peut pas venir dire à quelqu'un pourquoi tu as choisi. C'est ton choix, c'est la politique. Et tu vois, quand tu choisis un parti, quand tu choisis un allié, tu supportes cet allié. C'est aussi simple que ça, M. Bangoura. Donc, ce qui m'écœure, quand même, je vais le dire, la radio basse-côte, moi, je n'écoute que deux radios. La troisième radio, peut-être, ça laisse un peu la radio Jacques Roger, mais les heures ne me permettent pas. La radio basse-côte et la radio DST, parce que quand je viens... Je croise des personnes, je peux apprendre avec eux, qu'ils parlent bien français ou pas, je peux beaucoup apprendre. Et d'ailleurs même, je dirais que j'ai beaucoup appris. Mais je n'ai jamais entendu sur cette radio quelqu'un d'abord essayer de condamner la sortie de Ousmane Gawa. Il s'est attaqué privé de la dame, il l'a insulté, il a accusé d'adultère. Mais il sera comme le député aujourd'hui en prison, ou comme toutes les personnes qui sont attaquées aux femmes. C'est une question de temps. Donc, pour revenir à Matoto, je vais tout simplement vous dire, la dame était dans son rôle. Elle est allée aux élections. Moi, je vais vous dire personnellement, je suis de Matoto, ok? De manière de Matoto. J'ai choisi et j'ai pas fait la campagne pour Mani à Matoto. Si Dom n'a pas eu, elle a pris son... Elle a donné à Kalimoud, les choses, comme on appelle ça, tous. Personnellement, je ne me suis même pas, prononcé sur ce cas. Et je vais vous dire quelque chose. Kalemodou est l'un des rares cadres de l'UFDG. Plan compétence, plan capacité et plan sagesse. Parce qu'un parti a besoin des hommes sages. Si on avait beaucoup de gars comme Kalemodou sur le côté, sur le plan, je vous jure que l'UFDG n'allait pas être où nous en sommes. Mais ce n'est pas un choix de dire à une politicienne de ne pas supporter son candidat. Elle est mieux placée. Donc, c'est ça la guerre des... Et Kalemodou lui-même n'est jamais sorti pour attaquer cette dame. Parce que lui, au moins, c'est un politicien averti, c'est un cadre averti, c'est un intellectuel averti. Il sait qu'ils sont en politique. Il ne va pas l'attaquer. Et celle-là aussi ne l'a pas faite. Donc,
Si elle fait son choix, de grâce que les gens n'ont pas prestaté son choix, que Sidia, bien, je vous remercie pour le dieu de Sidia. C'est ce qu'elle vient de dire. À Bokeh, quand lui, je ne l'ai pas supporté, ça n'a pas fait de zizanie, ça n'a pas fait de bruit. S'il n'a pas supporté ce matoto, bon, ça n'a pas fait aussi de bruit, peut-être, mais il a dit que c'était son plein. Mais que ça ne fasse pas de bruit. Oui, chacun doit, nous devrons mûrir en Guinée. On sait, on ne doit pas simplement diaboliser quelqu'un parce que la personne n'est pas de notre camp. Et je vais vous dire quelque chose, cette dame, elle a vu l'avenir en politique. Et ce qu'elle a fait, elle n'a rien fait d'anormal que ce que n'a fait, parce qu'elle, au moins, elle n'est pas venue, elle a dit simplement qu'Alemoudou a gagné les élections. Si hier, elle se dit qu'elle était indépendante, et aujourd'hui, elle se dit qu'elle est du RPG, puis oh, le problème, IDG, il est du PUP. Aujourd'hui, c'est l'UFDG. On a des gens de l'UFDG aujourd'hui qui sont dans d'autres partis, vice-versa. Elle a dit qu'elle était indépendante à un moment parce qu'elle se disait qu'elle préfère aller seule. Aujourd'hui, si elle dit qu'elle est du RPG, n'oubliez pas, je ne dirais pas que c'est le RPG qui l'a formé, mais c'est un ancien produit du RPG. C'est RPG à cause du RPG qu'on a connu, qui était de Mani. Donc, moi, je me dis qu'il n'y a rien à normal. C'est lui, on a eu le problème qui s'est passé. C'est lui nous a dit sur les plateformes publiques, à la radio internationale, qu'il a perdu 6 côtes. La personne qui a été la cause de 6 côtes cassées là. Vous vous êtes déplacé, vous êtes allé, vous avez demandé une alliance avec la 10. Où est le problème? Personne n'a diabolisé ces loups. Parce que c'est la politique, c'est la guerre des intérêts. À un moment donné, vous choisissez des personnes qui vous arrivent. Et c'est même Sidia qui n'a pas choisi ces loups à Matoto, qui sait peut-être en 2000, ils ne vont pas signer d'accord. Donc de grâce, ne dites pas aujourd'hui que quelqu'un est satanique. Quand vous-même, un jour, vous risquez de vous trouver dans la même position. Ce n'est pas ça la politique. Nous devrons vraiment essayer de mettre la balance. Au contraire, c'est si on dépasse les bonnes politiques pour aller s'engager dans la vie privée de quelqu'un, c'est ce que nous devrons dénoncer. Quelqu'un qui Madame Ba, excuse-moi, elle dit qu'elle n'a jamais quitté le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Elle a voulu aller indépendant pour montrer parce que... Ouais. On est presque vers la fin. Elle a dit ça. Elle dit qu'elle n'a jamais quitté le bureau politique national du RPG. Même si elle avait quitté qu'elle revient. Où est le problème? On a vu des transhumains politiques. Je vais vous dire, c'est seulement le chien qui ne change pas sa manière. C'est seulement le chien. Parce qu'aujourd'hui, M. Touré, je peux être d'accord avec vous, je vais vous suivre. Le jour que je ne suis plus d'accord avec vous, je casse les liens parce qu'on ne voit plus le monde. Et après, peut-être, on se retrouve ailleurs où on partage les mêmes intérêts. C'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui même, Mokhtar Diallo et Aboubacar, je crois qu'ils ont fondé leur parti dans le RPG déjà. Exactement. Ils ont été... Cette dame, ils sont rentrés dans sa dignité, ils l'ont accusée de tout simplement parce qu'elle n'a rien, elle n'a jamais lancé un propos violent. Elle n'a jamais dit on va sortir, on va les cadres sur nous. Elle n'a pas dit sortons, on va saccager. Tout simplement dire que elle parle d'autre, elle dit que le gars a gagné. Mais c'est normal, elle se bat pour ça. D'accord. Donc pourquoi ils sont allés l'UNC? Et ce sont ces injures-là, les gens seront en campagne avec. Parce que si un parti politique. Je peux comprendre, M. Bangoura, que moi, je supporte l'UFDG en tant que militant simple. Insulter, ce n'est pas grave. On a vu ça dans tous les partis. Mais que des députés de la plateforme, l'UFDG n'a pas condamné cet acte. L'UFDG, personne n'a condamné cet acte. Même s'ils l'ont condamné, c'est interne. Elle a attaqué l'UFDG. Elle vient, elle fait un tweet là pour dire que vous pouvez insulter. Ce n'est pas les injures qui vont envoyer. Ces mêmes personnes sont insultées. Si un étranger voit, c'est pas dit, mais ce qu'elle dit, c'est déjà. Mais c'est vrai, parce qu'elle parlait même les réponses. Il y a des gens. Quand un grand parti, quand un parti, je peux comprendre, M. Bangoura, qu'on ne puisse pas cadrer tous les militants, mais au moins qu'on puisse cadrer les cadres. Les cadres. Un roi qui sort sur une plateforme publique, il dit des trucs dégueulasses. Parce qu'il pense qu'il a sa braquette partout, il pense que tout le monde est comme ça. D'accord. C'est un député, mais ce n'est pas un honorable. Ce n'est pas un honorable, merci. M. Bangoura. Donc, merci. M. Bangoura, les Guinéens n'ont qu'à essayer de comprendre quelque chose. Quelqu'un, tant qu'il ne propage pas la violence, tant que la personne est là, n'en a le feu, si c'est pour donner son opinion, surtout pas un imam, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas, par exemple, une personne de la société civile, c'est un politicien qui se bat pour ses intérêts, on doit respecter. Je reste à l'écoute, M. Bangoura.
Merci à vous, Madame Ba, pour cette belle analyse. Monsieur Léo, je peux répondre à la question que Madame Ba a posée? Non, nous sommes presque vers la fin. S'il vous plaît. Là, qui commence le 646, la taille ne me permet plus de prendre d'autres questions. Je vais prendre une minute, M. Traoré du Canada et ce numéro-là, 1 minute 30 secondes avant de fermer cette émission. Ce numéro de qui commence par le 646 305 1157, présentez-vous, madame et monsieur, s'il vous plaît, rapidement. Le numéro de New York, 646, là. 305 1155 57, je m'excuse. Voilà, est-ce que vous me recevez? Voilà, la personne ne me reçoit pas. Je vais donner 1 minute 30 secondes à M. Traoré. Nous sommes pris par le temps. Nous allons balancer l'émission tout à l'heure. M. Traoré, voilà, c'est à vous maintenant de faire une dernière analyse avant de fermer cette émission de ce soir. Et soyez très bref, une minute ou deux minutes rapidement avant que je ne ferme. Léo, enfin, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio Basse-Côte. Enfin, il y a Touré qui avait marché sur ma langue, mais il est sur vient de la broyer. Donc, je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Il a dit bonsoir. Souvent, quand elle est à l'aise, elle est beaucoup politique, elle fait des très bonnes analyses. Mais par contre, souvent, quand il s'agit des bas, Mamadou et Ségouturé, alors, on ne peut pas être dans le même bol. Mais sinon, ce qu'elle vient de dire, je ne sais pas si je peux dire mieux que elle. Parce que ici, il faut le reconnaître, nous sommes en politique. Il faut que la majeure partie de nous, les Africains en général, et puis les Guinéens en particulier, on arrive à s'entendre sur la politique. C'est-à-dire, quand on est politique, on n'a qu'à essayer d'arrêter les injures entre nous, la haine entre nous, et puis la diffamation entre nous. C'est ça qui gâte la politique. Sinon, la transhumance politique n'est pas mauvaise entre nous. Moi, je ne vois pas de cela quelque chose de grave, parce que ce n'est pas la religion. C'est une question de développement. Mais puisque, pourquoi on se touche la politique en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas de débouchés. Ici, par exemple, il y a les partis politiques là, ils cherchent toujours les gens, mais pourquoi les gens ne viennent pas vers eux, c'est eux qui viennent vers les gens? Parce que tout le monde a une occupation. Donc, que ce soit la politique ou pas la politique, ils vont gagner à manger. Donc, ils s'en fichent de la politique. Madame Ball le connaît très bien, en Côte d'Ivoire, on n'avait aucun problème politique. On s'en fichait pas mal de la politique. Mais quand il y a eu la galère, on a vu qu'on ne peut pas avoir à manger si tu ne fais pas la politique. Nous sommes tous devenus des politiciens. En Guinée aussi, pareil. Mais il faut qu'on essaie de mûrir pour arrêter les injures entre nous et arrêter la haine entre nous. Quand quelqu'un qui n'est pas de ton bord, comme ce que Mme Ba vient de dire, il fait une bonne analyse, il faut accepter son analyse. Il faut le soutenir dedans. Là, la personne sait maintenant que nous ne sommes pas de même bord, mais il est d'accord avec ce que je dis parce que ça fait partie du développement. Par exemple, quelqu'un comme Ba, je l'apprécie beaucoup. On le force à dire des choses souvent, à le énerver, à s'énerver, à faire quelque chose. Mais il a toujours gardé son sang-froid, pose des bonnes questions, répond aussi sagement ce qu'il a, sans réellement injurer qui que ce soit. Donc, ce genre de politesse, de maturité en politique, moi j'apprécie ça. Je peux bel et bien m'attaquer à dire ce que je veux. Et vous ne savez pas si hors antenne ou bien après comment on est. Ça m'engage que moi et elle. Et Ba aussi, c'est la même chose. Mais cela ne voudrait pas dire quand je viens à la radio et je vais m'attaquer à toi, t'insulter, ou bien parce qu'on n'est pas des mêmes bon, moi, c'est un truc de n'importe quoi. Tel n'est pas le cas. On n'a qu'à arrêter ça. Merci à vous. Je suis vraiment d'accord avec vous pour l'intervention de ce soir. Je vous remercie. Merci à vous, M. Traoré, du côté du Canada. Bonne nuit et bien de choses à toute la famille. Monsieur Ba, alors 30 secondes rapidement, tu voulais répondre à Madame Ba rapidement. Oui, Monsieur Léo, je dis bonsoir à Monsieur Traoré. C'est que ce n'est pas la répondre, mais c'est de d'éclaircir. J'ai dit exactement ce qu'elle a dit. Moi, il y a deux personnes au RPG que j'aime
comme ça, je ne les ai jamais vus. C'est Dame Domani et Nike. Simplement comme ça. Mais en politique, il faut que tu fasses attention. C'est le problème que l'IFR a eu. Il faut que les gens sachent de quoi tu fais. C'est quoi ta position. On ne peut pas, la même élection, tu es indépendante, dès après les résultats, les résultats ne sont même pas sortis, maintenant tu es RPGiste. On a vu l'armada du RPG qui est venue contre elle durant les élections. Elle représente une fraction, surtout la fraction féminine. Et elle est jeune aussi. Elle a de l'avenir politique. Mais on ne peut pas faire des zigzags comme ça sans que le nom se fasse du mal en politique. M. Ba, Tawel s'est fait passer UFDG quand il a été élu, il est redevenu RPG. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a fait du mal quelque part, toi aussi tu vas le faire. Elle n'a pas fait du mal. Elle est toujours dans le bureau d'arc-en-ciel. Mais elle sait qu'elle ne sera pas sur la liste. Elle est partie d'elle-même. Sidia est toujours de l'UFR, mais sa position de zigzag lui fait du mal aujourd'hui. Nous tous, nous le savons. Merci à vous, M. Ba, M. Touré. Merci, M. Touré. Merci. Merci M. Ba, il faut écouter BL. Ouais. Elle a dit que les élections se sont passées en norme. Il faut aller réécouter encore. Merci d'être venu. On va chercher l'audio. Merci d'être venu. On sera écouté tout à l'heure sur Facebook et demain. Demain dimanche, dans une heure de temps. Merci. Ok, merci Bangoura. Monsieur Ba, remplacez celui-là. Il ne fait pas la chose pour vous. Remplacez-le. Merci. Monsieur Baouri. Monsieur, cherchez des médicaments pour la cellophobie. Merci, merci. Ok, au revoir à toi, à Texas. Tous les matins, 7h-9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire un bon. En disant, excusez-moi, c'est moi. Que de faire.